Bene, riprendiamo i lavori di questa sessione pomeridiana con il professor Cartier. Le professor Pierre Cartier n'a pas besoin de présentation parce que c'est un mathématicien très réputé, très reconnu, ancien élève de Cartan, le fils, et Et puis d'André Bell. Et d'André Bell. Et d'arriver, donc, une école d'exception. Et d'Althusser. Donc, aussi une école d'exception sur le côté philosophique, épistémologique, etc. Affiliation au CNRS et à l'Institut des autres études scientifiques. Et donc, c'est un véritable plaisir et un honneur de vous donner la parole. Le professeur Cartier donnera une conférence sur le thème Retour sur le formulario di matematica. Merci, au revoir. Bon, je vous dois d'abord. Bon. Ça va, on entend? Bon, mon exposé risquerait de recouvrir un peu le précédent, parce qu'on a parlé du formulario dans l'exposé précédent. Bon, je vais en parler, mais bien sûr, on va en parler, mais je parlerai surtout, bien sûr, de ce qui accompagne le formulario, c'est-à-dire les notations de logique mathématique, qui pour moi est vraiment programmatique. Il reprend, bon, c'est un texte qui a été cité d'ailleurs, où il reprend, en fait, il fait une synthèse de toute sa progression dans la logique mathématique. C'est daté de 1894, donc ça n'est pas, c'est une époque relativement jeune de sa carrière, mais c'est un tel résumé de toute la philo. Pardon. De toute la philosophie et de la stratégie scientifique de Peano, que je ne voudrais pas m'en priver. Alors, je vais commencer par le mot formulaire. Formulaire, c'est ce que je vais analyser avant de parler du formulario de Peano. Je vais parler du rôle des formulaires en général. Bon, alors, on a formulaire, ça a diverses interprétations. Ça peut être encyclopédie, et effectivement, le projet de Peano était un projet encyclopédique. On l'a vu d'ailleurs dans le dernier exposé. Mais ça a un rôle un peu spécial pour les mathématiques. Alors, dans l'histoire, il y a eu de nombreux, bon, formulaires, on peut appeler ça table, on peut appeler ça répertoire, suivant les cas. Ça n'est pas un dictionnaire, c'est quelque chose de différent d'un dictionnaire. Bon. Les plus anciens répertoires que nous connaissons, ce sont les tables astronomiques qui nous viennent de l'Antiquité la plus profonde, soit les Mésopotamiens, soit les Grecs de la période post-classique, la période d'Alexandrie. Donc, par exemple, on sait que la première table trigonométrique connue, c'est une table des cordes. Bon. Pour les anciens, ce n'était pas le sinus qu'on mesurait, c'était la cosse, c'est-à-dire deux fois le sinus de l'angle moitié. Géométriquement, c'est plus facile à voir. Bon. Et il y a une table des cordes donnée de degré en degré, avec six décimales, qui date de Ptolémée. Enfin, elle est publiée sous Ptolémée, mais enfin, c'est peut-être pas lui qui l'a fait en détail. Mais enfin, c'était une référence pour les astronomes. Donc, c'est quoi? C'est un savoir codifié sous forme numérique, exploitable directement. C'était ça la signification d'une table. Alors à côté des tables, ça c'est une table purement numérique. Et ces tables ont persisté jusque vers 1970. Le dernier répertoire à avoir des tables numériques, c'est le fameux traité Abramovitch-Tegun, publié par le National Bureau of Standards américain. Un énorme livre dont j'avais autrefois deux exemplaires, un chez moi, un dans mon bureau, parce que c'était lourd à transporter. Et c'est le dernier répertoire qui contient vraiment des tables numériques. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que d'abord, on a eu des calculatrices pour remplacer les calculs banals, tables de sinus, de logarithmes, etc. C'est remplacé par une calculette à 20 euros. Mais bien plus, la dernière édition de l'Abramovitch-Tegun, qui a été faite il y a quelques années, les tables numériques ont disparu.
parce qu'il y a, un DVD à la fin du volume, on le met dans son ordinateur et ça fonctionne comme une calculette. Bon, et d'autre part, mais ça n'a pas empêché que le volume est encore plus gros aujourd'hui, bien que les deux tiers des tables numériques qui existaient aient disparu. Ce qui veut dire qu'il est vraiment devenu un formulaire. Un formulaire. Alors, il a, et en 50 ans, entre les deux éditions, les formules, puisque c'est un registre de formules, ont triplé. Et il y avait des chapitres totalement inexistants dans l'édition d'il y a 50 ans et qui sont devenus des chapitres très conséquents aujourd'hui. Donc, un formulaire, je viens de dire, c'est un recueil de formules, suivant l'étymologie. Bon, alors, au cours de l'histoire, il y a eu des tables. Bon, il y a les tables numériques trigonométriques pour les besoins de l'astronomie. Il y a eu, et ensuite, des tables de formules qui ressemblent plus à ça. Bon, dans l'enseignement secondaire, chaque élève recevait traditionnellement un petit fascicule où on lui rappelait toutes les formules importantes, ça s'appelait identité remarquable, ça s'appelait ce qu'on voulait, c'est-à-dire un petit recueil à l'usage des lycéens, les rudiments de l'algèbre, qui sont présents dans le formulario de Giuseppe Peano. Bon, et alors, il y a aussi... il y a eu aussi des tables d'algèbre. Bon, puis il y a aussi, alors il y a toute une série de tables, de formulaires modernes, qui j'ai cité Abramovitz-Stegun, mais il y a, bon, les physiciens utilisent souvent Gradstein et Richik, qui est vraiment un formulaire au sens propre, au sens où Peano l'entendait, c'est-à-dire c'est une longue suite de formules sur des centaines de pages. Vous avez une intégrale compliquée, vous regardez dedans, ça y est. La difficulté de ces répertoires, c'est la classification. Tous les répertoires sont difficiles à cause du problème de classification. Si je vous donne dans le Gradstein et Richik, il doit y avoir 12 000 formules. Comment vous cherchez parmi ces 12 000 formules ? Alors, quand vous avez ce livre et que vous l'utilisez tous les jours, vous le savez par cœur, et dès que vous voyez ça, vous cherchez. Une fois, j'étais pris, bon, j'avais une formule qui me semblait bizarre, que je n'avais jamais vue nulle part, et il y avait simplement le carré d'un coefficient binomial, c'était la chose la plus remarquable. Et j'ai parcouru toutes les pages, une à une, en cherchant systématiquement, à l'œil, s'il y avait un carré d'une formule, d'un coefficient du binôme. Finalement, j'ai trouvé deux ou trois formules dans cet énorme livre, deux ou trois formules qui contenaient ça. J'ai vite compris le lien entre ces formules et ensuite j'ai compris d'où ça venait. Bon, donc c'était ça. Alors, il faut bien dire qu'aujourd'hui, les progrès de l'informatique et des systèmes de recherche ont grandement facilité ça. Parce que naturellement, les éditions les plus récentes des répertoires, on n'écrit pas toutes les formules. On n'écrit pas toutes les formules, mais on a un moteur de recherche. On a une formule qu'on ne connaît pas, ou un sujet, on en parle par un moteur de recherche, on recherche tout ce qui est connu sur un sujet, ou bien on donne une forme générale de formule et on demande dans le répertoire de trouver ce qu'il y a à voir. Bon, donc, si vous voulez, les répertoires sont présents dans toute l'histoire scientifique, depuis les Babyloniens jusqu'à aujourd'hui, et même dans l'ère qui commence, l'ère numérique. Bon. Et ça, bon, ils sont présents dans tout ça et ils ont évolué, bien entendu. Ils ont évolué en vertu du principe que, bon, que ne partagent pas tous mes collègues, qu'ils soient mathématiciens ou historiens, que le développement c'est une thèse, le développement des mathématiques est parallèle au développement de la civilisation, c'est-à-dire en partie de la technologie. Mais je ne résume pas technologie. La technologie, elle fait partie de la civilisation. Bon, pourquoi est-ce qu'on a inventé le système décimal? Bon, il y a beaucoup de raisons, mais pourquoi est-ce qu'il s'est popularisé avec Simon Stevin? Simon Stevin était le conseiller des banquiers hollandais. Pour faire la comptabilité, ils avaient un système absolument impraticable, qui était la numération romaine, et Stevin, conseiller des banquiers hollandais, leur a dit, mais je vous fournis un outil, bon. On peut refaire une large... Bon, la géométrie, la trigonométrie n'existerait pas sans l'astronomie, mais l'astronomie n'existerait pas sans la nécessité sociale d'un calendrier, parce que c'est quand même ça l'essentiel. La,
Le calendrier lunaire, c'est évident, mais il a tellement de défauts que, bon, même si certaines civilisations le gardent encore, c'est tellement de défauts que le calendrier solaire, lui, nécessite une science astronomique. Bon. Et bon, et cette science astronomique s'est développée. Bon. Pour revenir encore plus loin, à l'invention de l'agriculture, qui est vers moins 12 000, à peu près comme ça, moins 10 000, moins 12 000, enfin à la fin de l'ère glaciaire sur l'Europe, moins 10 000, moins 12 000, quand on a commencé à faire l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire « je ne mange pas tout ce que j'ai sous la main, je fais des réserves pour l'année prochaine, la récolte sera peut-être moins bonne, ou bien il me faut des semences ». Donc, des réserves veut dire stockage, veut dire compter, veut dire des règles comptables, veut dire des règles sociales de répartition. Bon, et la numération, ce n'est pas abusif de prétendre que la numération s'est développée en partie à cause de ça. Bon, et si l'écriture romaine, qui ne fonctionne bien que pour les nombres jusqu'à peu près 1000, a fonctionné si longtemps, c'est que quel était l'effectif d'une armée romaine, une légion romaine, 2000, 3000? Quel était un budget d'État? Budget d'État, ça veut dire une grande ville dans l'ère romaine, 5000 drachmes, 5000 sesterces, quelques milliers. Bon, aujourd'hui, nous savons bien que nous devons manipuler les milliards et les milliards de milliards. Bon, donc, je pense, c'est une thèse que j'appuie. Bon, et l'histoire des répertoires, je la vois en parallèle là-dessus. C'est-à-dire que les répertoires sont un outil. Un outil qui est nécessaire à la fois pour les besoins propres de la science et pour les besoins appliqués. Et bon, je suis de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas une science pure et une science appliquée. Il y a une science qui s'applique ou qui s'applique. Il y a des gens qui développent les outils et des gens qui les utilisent. Mais c'est la même science. Bon, alors, pour revenir à Peano, formulaire de mathématiques, alors... C'est un projet qui est porté par la Revista di... Comment ça s'appelle? Revista di Mathematica. Revista di Mathematica. Bon, dont on a déjà parlé longuement, qui était une des grandes œuvres de Peano. Et ça commence vers 1894. Ça, autant que j'ai compris, j'ai pas regardé toutes les éditions, ça se termine vers 1908. Bon. Moi, je m'appuierai sur la première édition, celle de 1894, parce que c'est celle qui donne le format pour tout ce qui va suivre. Bon, donc cette première édition de 1894, elle a déjà les caractéristiques principales de ce projet de formulario, c'est-à-dire que c'est une œuvre collective. Eh bien, on a vu la citation tout à l'heure, une assemblée de mathématiciens. Bon, c'est une œuvre collective. C'est vraiment l'école de Torino. c'est pas par hasard que nous sommes ici avec des représentants de l'école de Torino. Donc, c'est un projet collectif et qui est collaboratif, c'est-à-dire que bon, il dit bien dès le début que les divers chapitres seront fournis par divers auteurs. Et en même temps, c'est un projet évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement fixé d'avance, mais que l'ambition est fixée d'avance. Ça, c'est le projet encyclopédique, comme la grande encyclopédie du XVIIIe siècle, la grande encyclopédie, un rassemblement des connaissances, des sciences. Bon. Mais on est ouvert aux nouveautés, on est ouvert à de nouvelles collaborations. Alors, Alors, déjà, je vais aussi, c'est ça, et on a vu la citation tout à l'heure, que on utilisera le langage symbolique, ça c'est une des grandes idées, pour ce formulaire, si bien que ce formulaire, même quand il exprime des vérités mathématiques ou des connaissances mathématiques, on exprime souvent en utilisant la langue commune ou un mélange de symboles et de langue commune, ce qui est le style mathématique standard, il n'y aura que des formules. Parce que tout a été traduit en formule. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, ce projet, et il dit que pour remédier à l'absence historique, comme les propositions sont mises sous forme codée, sous forme symbolique, et que c'est pas, il n'y a pas, mais on mettra en référence les auteurs. Et d'ailleurs, quand on feuillette les pages de ça, il y a énormément, suivant les chapitres, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui donnent énormément de références à un chapitre de formulario, d'autres qui en donnent moins. Mais on peut repérer tout de suite les auteurs importants. Bah, les auteurs importants, il y a quand même
simplement, on a, tout à l'heure, on a donné les chiffres de citation, mais le plus... Cantor est vraiment prédominant. Cantor est prédominant, et je n'ai pas fait le relevé. Je me fie à la table des auteurs donnés par Peano lui-même. Il y a Abel, il y a Cantor, il y a Cauchy. C'est parce qu'il y avait plusieurs chapitres sur l'analyse. Cauchy est le rénovateur de l'analyse au XIXe siècle. Il y a Dini, qui est un des collaborateurs de Peano. Il y a Euclide. Bon, Euclide, c'est la tradition. Il a une part large. Et il y a Euler. Et c'est pas par hasard. D'ailleurs, bon, après, il y a un certain nombre d'auteurs, mais qui sont peu cités. Et celui qui m'a le plus surpris, c'est Pringsheim, qui est très fortement cité aussi. Bon. Je n'ai pas analysé pourquoi il l'était, partie 8. Bon, qu'est-ce que c'est là? C'est les séries, calcul des séries, Pringsheim. Bon, ça devait être référence à un manuel comme connu à l'époque, je n'ai pas fait la recherche. Bon, alors voilà. Donc, j'ai donné les caractéristiques de ce projet, et tout est écrit en langue symbolique, c'est une collaboration, on veut couvrir le champ mathématique aussi largement, et c'est un projet ouvert qui pourra évoluer en fonction des nouveautés. Si vous prenez un projet récent comme Wikipédia, c'est quand même largement les mêmes principes. Largement, bon, avec des limites. Et d'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, nous verrons un Matipédia. Il y a déjà des projets qui couvrent les projets actuels sur Internet qui reprennent l'idée de Peano, il y en a des quantités. Et la synthèse qui s'appellerait Matipédia, elle est visible. Bon, pas encore développé. Bon, alors, maintenant, je viens au deuxième point, qui est le linguiste, qu'on a largement évoqué dans l'exposé précédent. Or, c'est certain que les préoccupations linguistiques de Peano sont extrêmement importantes, on nous l'a montré dans l'exposé précédent. Et alors, il y a un endroit, j'ai trouvé une référence. Bon, il y a d'abord la référence à Leibniz, qui a été citée tout à l'heure, qui est que c'est la dissertation de Arte Combinatoria, qui est où Leibniz énonce son projet de langue universelle, compréhensible à tous, qui serait un catalogue de toutes les vérités scientifiques. Et la conclusion de Peano, qui est sa satisfaction, j'ai rempli le programme de Leibniz. On a vu la citation tout à l'heure. Pas la peine de la répéter. Bon, alors, le latiné sino flexione, qui est le même projet. Alors, c'est très intéressant parce que, à plusieurs reprises, Peano revient sur cette idée et il dit que son projet, c'est de décrire le plus petit dictionnaire qui est nécessaire à des hommes de langues et de civilisations, enfin de langues différentes, indo-européennes, pour lui, il n'y a pas d'autres langues que les langues indo-européennes, mais il n'y a pas si longtemps qu'on a pris conscience des langues non indo-européennes. Bon, donc il s'agit de faire le plus petit commun dictionnaire qui permette ensuite, une fois acquis par des gens de langues, pratiquant les langues différentes, de lire son formulaire dans leur propre langue. Si j'ai compris ce que signifie ce symbole-là, qui veut dire l'intersection ou la conjonction logique, eh bien, j'ai compris un certain nombre de thèmes. Et il y a, bon, dans son projet, il y a naturellement un répertoire des symboles. Une fois qu'on a compris ce dictionnaire minimum et les règles logiques, eh bien, n'importe qui peut lire ce répertoire, ce formulario dans sa langue. C'est-à-dire remettre les flexions qui n'appartiennent pas au langage symbolique, mais qu'il peut remettre dans sa langue. Il donne plusieurs exemples. Bon, donc cette l'ambition dans ce projet du formulario, ce qui passionnait Peano comme linguiste n'est pas du tout absent. Bon, et alors Maintenant, on a le problème, c'est de créer
la langue qui va permettre de réaliser ce projet. Et il dit lui-même qu'il s'appuie beaucoup sur les travaux de toute l'école logique. Bon, l'école logique, c'est toute celle du 19e siècle qui va de Boulle à lui-même ou à Borelli Forti, etc. Bon. Et sans oublier Frege. C'est un point important, Frege. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Bon. Et le... Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que, oui, bon, Boulle, Jevons, Frege, enfin, il y en a des quantités, je crois que j'ai noté quelque part la liste. Pas d'importance. Bon, alors, avant de parler, bon, alors, ce traité, je parle de la première partie publiée dans la Rivista de Mathematica en 1894, et qui est accompagnée de cet article notation de logique mathématique, qui est très programmatique, qui explique toute sa méthode. Je referai l'analyse un peu plus en détail de ce texte tout à l'heure. Bon, alors d'abord, quel est le catalogue de la première livraison de ce séminaire, de ce formulario? Bon, il y a 9 chapitres, avec 9 chapitres avec des auteurs différents. Les 3 premiers chapitres n'ont pas d'auteur indiqué. C'est essentiellement Peano. Mais il n'a pas signé. Bon, ça couvre une trentaine de pages. Et ça s'appelle Logique mathématique, qu'il met conformément à son programme général au début. Donc la logique mathématique apparaît dès le début. En fait, c'est la grammaire, pour la voir comme une grammaire des mathématiques. Et une grammaire de ce langage symbolique qu'il va utiliser. Le deuxième chapitre, ce sont les opérations algébriques. Le troisième, c'est l'arithmétique. Bon. Alors, l'arithmétique, on connaît l'axiomatique de l'arithmétique selon Peano, par le successeur, etc. Or, j'ai cherché sérieusement dans ce formulario, je n'ai pas trouvé de trace. Il n'y en a pas de trace. En fait, comme il l'explique, sa philosophie, elle distingue les définitions, bien entendu, mais elle distingue, il dit lui-même qu'on ne peut pas tout définir, ce qui est une banalité, bien entendu, et qu'il y a des notions primitives et des résultats primitifs, des propositions primitives. Il insiste beaucoup là-dessus, des notions primitives et des propositions primitives. C'est-à-dire, c'est la notion... Et il dit bien que le rôle des définitions, c'est de donner aux concepts qui ne sont pas déduits, de donner leur vraie signification. Donc là, il y a ces 3 premiers chapitres qui sont visiblement de la plume de Peano, tout y est, c'est bien clair. Et bon, alors il donne toutes les règles logiques, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, et le symbolisme. Il donne les opérations algébriques. Alors ça nous paraît assez étonnant parce que, bon, algébrique, c'est pris à un sens qui ne serait plus tout à fait celui d'aujourd'hui. C'est les règles d'addition, de multiplication, de valeur absolue, de division, de puissance, et même de puissance fractionnaire. C'est ça qui m'a surpris parce qu'il ne les met pas dans l'analyse. Il ne les met pas dans l'analyse, les puissances fractionnaires. Il les met là. Mais même le logarithme et l'exponentielle sont mis dans les opérations algébriques. On peut discuter, d'ailleurs c'est toujours bon, les gens qui font de la théorie des modèles aujourd'hui en mathématiques et qui en font, en gros, fabriquent une hiérarchie des opérations de plus en plus complexe, on sait que le logarithme c'est vraiment une étape fondamentale, c'est ce que les logiciens appellent les modèles au minimum, enfin on ne fait rien de sérieux avec les opérations purement algébriques, c'est-à-dire les 4 opérations qui définissent dans notre langage un corps commutatif, mais il faut y ajouter le logarithme et l'idée étant la même qu'il y a une hiérarchie d'opérations, les plus simples étant l'addition, la soustraction, la multiplication, etc., les puissances. Et les identités algébriques, c'est ce que dans ma jeunesse on appelait identité remarquable pour les lycéens, A plus B au carré égal, A moins B au carré égal, qu'il fallait retenir par cœur, sans toujours comprendre ce que ça voulait dire. Mais le rôle d'un formulaire, c'est aussi de donner des formules sans explication. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bon, et alors, à la fin, ce qu'il y a, c'est qu'il introduit, sous le nom de la classe Q, je n'ai pas compris ce que signifie Q, la Q, alors il y a... Petit q, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, positifs, négatifs,
négatif, etc. Quand il met un grand Q, en général, c'est qu'il se restreint aux objets positifs. Grand Q, ce sont les nombres réels positifs. Grand N, ce sont les entiers, la notation s'est conservée. Grand N, ce sont les entiers, pour lui, il met strictement positif. Il ne met pas zéro, il rajoute un zéro quand il faut le mettre. Et petit N, ce sont les entiers de signes quelconques. C'est assez systématique. Mais, curieusement, dans ces opérations algébriques, avant l'arithmétique, il y a Q' qui désigne les nombres imaginaires. Bon, puis il y a les polynômes. Donc, ce n'est pas ce que nous ferions rentrer aujourd'hui dans nos classifications dans l'algèbre. C'est déjà le début de l'analyse. Pour lui, c'est de l'algèbre. Bon. Ensuite, il y a l'arithmétique. Mais l'arithmétique, l'arithmétique élémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur? Etc. Mais là, il y a une remarque intéressante. C'est que, c'est dans le commentaire notation, c'est que la divisibilité, en fait, se formule en termes de classe sous la forme suivante, A divise B, si l'ensemble des multiples de A contient l'ensemble des multiples de B, A divise B. Et il dit bien que le calcul logique qu'il va développer, le calcul des classes, calcul de propositions, etc., si je traduis la divisibilité en termes d'inclusion d'ensemble, ça, c'est une idée prise chez Dedekind. C'est clair que c'est prise chez Dedekind. Bon, alors, toute la divisibilité peut se formuler dans le calcul logique, ce que nous appelons aujourd'hui le calcul d'algèbre de Boole, ou les variantes, calcul d'algèbre de Boole. Et donc, les formules que j'aurais déduites pour le calcul des propositions, le calcul des classes, je peux les appliquer telles quelles. De manière amusante, quand ma fille avait 12 ou 13 ans, on enseignait encore les ensembles un petit peu trop et aujourd'hui pas tout à fait assez. Il y avait un exercice sur la divisibilité. Et la clé n'était pas claire. Il fallait montrer que si on ajoute 1 au nombre recherché, on avait facilement. Et alors, j'ai dit à ma fille, prends la première propriété, écris l'ensemble des entiers jusqu'à une certaine borne qui satisfont la première propriété. Fais la deuxième pour la deuxième propriété, fais la troisième, et regarde ce qu'il y a en commun. Commentaire du professeur, ce n'est pas une leçon sur les ensembles. Alors que la divisibilité, depuis Dedekind, nous savons que la meilleure formulation, c'est en termes d'ensemble, d'inclusion d'ensemble. On ne peut pas demander à chaque professeur de chaque petit collège ou lycée d'être conscient des enjeux philosophiques de Peano. Ce qui n'est pas signé, mais qui est visiblement de Peano. Ensuite, les autres chapitres sont signés. Alors, il y a une théorie des grandeurs, Burali-Forti, et qui écrit le calcul des inégalités, des multiplications, etc. Et grandeur, c'est nombre réel positif pour lui, grandeur. Et ensuite, il y a un chapitre qui est signé par Peano, mais qui se rapporte à son programme du calcul géométrique. C'est très net. Il ne cite pas Grassmann, mais c'est implicite. Je ne sais même plus, peut-être qu'il cite Grassmann. C'est implicite. Alors, c'est ce que je disais en remarque tout à l'heure. Il y a un calcul des classes. C'est vraiment une originalité, calcul des classes. Aujourd'hui, nous disons, si j'ai un ensemble, j'ai l'ensemble de ses parties. Lui, K, ça veut dire classe, et c'est la lettre K, c'est l'initiale de classe en allemand, bien entendu. Ça, c'est pris chez Dedekind. Classe Q, ça veut dire les classes de nombres réels, autrement dit, les ensembles de nombres réels. Et puis, il y a Q indice N, c'est ce que nous appelons R puissance N aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs à une composante réelle, et les classes de vecteurs. Et alors, c'est là où il introduit un certain nombre de notations intéressantes, dont NUM, qui dit que pour une classe, NUM, c'est le nombre d'éléments de la classe. Pas très bien défini. Plus tard, il dit comment il faut construire les ordinaux et les cardinaux de Cantor, et là, il donne une définition plus correcte. Alors, NUM est fini si, NUM, c'est 17, si on peut dénombrer 17 éléments dans l'ensemble. Et alors, si on ne peut pas faire ça, on dit NUM est égal à l'infini. Donc, c'est la définition, la première. L'infini, c'est ce qui est immédiatement... c'est tout ce qui est au-dessus du fini. Donc, c'est
moins précis que les cardinaux de Peano. Bon. Alors il introduit max et min comme opération, le maximum d'un ensemble, mais aussi la limite supérieure et la limite inférieure. Ça, c'est vraiment des choses très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que les classes, c'est un KQN, c'est-à-dire qu'il introduit, et c'est intéressant, ça sera suivi au chapitre suivant par Vivanti sur la théorie des ensembles, et pour Peano et Vivanti, une classe, ça n'est pas un ensemble. C'est vraiment, il y a une distinction très nette. Je pense qu'elle vient de Cantor. Un ensemble, c'est un ensemble de nombres ou un ensemble de points dans un espace numérique. Et une classe, les ensembles en dehors, comme ça, un peu en l'air, c'est des classes. Bon, classe, ça a une signification plus logique, bien entendu. Et ensemble, c'est déjà la géométrie de l'espace euclidien à 2, 3 ou 4 n dimensions. Bon, et alors, ensuite, je suis par un chapitre de Vivanti sur les ensembles, puis un chapitre de Bertazzi sur les limites, très détaillé. Riche en contenu, mais pas du tout, contrairement aux autres chapitres, il n'y a pas de subdivision. Donc c'est un peu difficile de s'y reconnaître. Ensuite, il y a les séries. Et ça, c'est... qu'est-ce qu'il y a écrit ça? C'est Giudice. Écrit sur les séries, les produits, séries infinies, les séries produits infinis, etc. Tout le calcul du calcul, enfin tout le calcul des séries tel que nous le connaissons. Ça, tout ça, ce sont les premiers chapitres de l'analyse proprement dite. Et puis, le dernier chapitre qui est écrit par Fano, remarquable, c'est en fait l'exposition des idées de Dedekind sur la théorie des nombres. Là, alors bon, il y a le terme de corps, le corps de nombre apparaît explicitement là. Bon, c'est d'ailleurs, il y a un problème dans la désignation de corps, parce qu'en allemand, ça se dit Feld. Non, ça se dit Körper, pardon. En anglais, ça se dit Field. Mm-hmm. En français, ça se dit corps. Bon, corps et Körper, c'est à peu près la même chose. En italien, bon, je ne sais pas comment ils disaient, c'était pourquoi je pense qu'ils disaient corpo, bon. Mais c'est l'anglais qui est totalement à part, qui dit field. Le mot field a tellement de désignations, évidemment. Mais dans certains ouvrages français du début du XXe siècle, on dit champ pour corps. Corps de nombre, on dit champ de nombre. Et d'ailleurs, Grothendieck a ressuscité ça sous la forme de la théorie des champs. Bon, avec toute l'ambiguïté que la physique désigne par théorie des champs quelque chose de tout à fait différent. Bah, mais pas tout à fait, parce qu'en géométrie, on parle d'un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs, c'est se donner en chaque point un vecteur qui varie avec le point, un champ de vitesse dans un fluide, etc. Donc, et l'utilisation de champ en physique, traduit par field en anglais, c'est exactement ça, c'est la généralisation. Un champ, c'est une grandeur physique qui a une valeur donnée à une ou plusieurs composantes en chaque point déterminé de l'espace et du temps. Chaque point de l'espace déterminé du temps, la température s'étend, la pression s'étend, etc. Bon. Alors voilà. Donc, ce chapitre de Fano, c'est d'ailleurs bon, pas surprenant. Bon, c'est un exposé vraiment très, 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 très fidèle et très détaillé des idées de Dedekind. Bon, je dois dire que Fano, pour moi, comme pour beaucoup de gens, restait un personnage. Bon, en géométrie algébrique, on parle des variétés de Fano. On a un petit peu oublié qu'il était Fano. Bon, enfin bon. Alors voilà, ça c'est le plan, la table générale de la première édition du Formulario. Elle ne contient que 9 chapitres. Et comme on l'a vu, ça se développera jusqu'en 1908 avec 3 éditions, des éditions. C'est curieux d'ailleurs, puisque c'est une langue universelle, pourquoi il y a eu besoin d'une édition anglaise, d'une édition allemande, d'une édition portugaise, etc. Enfin bon, voilà. Alors, mais le morceau de bravoure, le morceau de bravoure, on a commencé à quelle heure? Non, vous avez... Bon, le morceau de bravoure, oui, d'accord. Le morceau de bravoure, c'est la notation de logique mathématique. C'est vraiment un écrit programmatique. Non seulement il explique tout ce qu'il il dit d'ailleurs, introduction au formulaire de mathématiques. Introduction au formulaire de mathématiques. Donc, c'est ce qu'il faut lire avant. Alors, si le formulaire de mathématiques est entièrement en langue symbolique, il faut quand même donner la clé. Il faut quand même donner la clé. Et du coup, ça se justifie de le traduire dans diverses langues. C'est ce qu'il a dit. Bon, il explique Bon, il avait expliqué qu'il y a un dictionnaire minimal entre deux hommes ou deux femmes,
soyons sérieux, enfin, deux êtres humains doués de raison doivent s'entendre sur un petit nombre de mots et de concepts, et ensuite, le symbolisme permet de communiquer. C'est ce principe universaliste, il était celui de l'Église catholique aussi, d'ailleurs. Le latin liturgique a cette fonction-là. Bon, il l'a perdu, mais il l'avait. Il ne faut pas l'oublier. Si le latin, n'oublions pas que Jaurès, le politicien Jaurès, assassiné en 1914, a soutenu sa thèse en latin, vers 1900. Et c'était encore vers 1910, il est un des derniers. C'est juste une incise. Mais puisqu'on a parlé de la sine flexione, il ne faut pas oublier que le latin est encore, à cette époque-là, la langue de communication pour la plupart des scientifiques. Les derniers mathématiciens à avoir écrit en latin, c'est Gauss et le jeune Dirichlet, à ma connaissance. Jacobi aussi. Mais après 1830, il n'y a pratiquement plus de publications mathématiques en latin. Elles sont essentiellement en français à la fin du 19e siècle, avant que l'allemand monte en puissance. Et puis je reviens de Moscou et on m'a rappelé qu'en 1939, la plupart des mathématiciens russes, ou soviétiques à l'époque, publiaient en allemand. La thèse de Gelfand, qui était un événement mathématique, est publiée en allemand. Bon, et aujourd'hui, nous savons bien quelle est la langue de communication, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'anglais. Bon. Et sauf dans une assemblée comme celle-ci, latinophile, où on peut parler français, italien, bon, avec le rudiment d'italien, et assez pour comprendre, mais pas assez pour parler. Bon, donc, voilà. Alors, les notations, c'est vraiment le programme. Et je vais en faire une analyse rapide. Donc, avant de venir à la conclusion, c'est ça. Bon, alors, introduction, notation de logique mathématique ou introduction au formulaire de mathématiques publié par la Rivista di Matematica. On ne peut pas être plus explicite. La même année, d'ailleurs, 1894. Alors, On commence, le plan est très programmatique et très, très soigneusement pensé. Alors, la première section, introduction bien entendu, Leibniz a énoncé il y a deux siècles le projet de créer une écriture universelle dans laquelle, on a vu ça tout à l'heure, toutes les idées en composé puissent être exprimées au moyen des signes conventionnels des idées simples selon des règles fixes. Et il cite le texte latin. À la solution de ce problème a contribué d'abord le développement de l'écriture algébrique, qui s'est beaucoup perfectionnée après Leibniz. Il explique ça. Et ensuite, cette science, il parle de la logique mathématique, qui étudie les propriétés formelles des opérations de logique. Cette science a été cultivée dans notre siècle par Boole, Kelley, Clifford, etc. jusqu'à Venn, le dernier, et tout ça est résumé dans l'ouvrage de Schröder, Algebra der Logik. Algebra der Logik, c'est un des slogans, algèbre égale logique. C'est vraiment, tout ce projet est parcouru de ce slogan, algèbre égale logique. La logique, les calculs logiques se font en analogie avec les calculs algébriques, mais les calculs algébriques, comme on l'a vu dans l'exemple de la divisibilité, peut prendre appui sur le calcul des classes. Bon, alors, il commence par les classes. Suivant sa période de vie, il commence par proposition, l'aspect pomologique, ou classe, l'aspect extensionnel. Bon, pour le logicien, classe, en compréhension, c'est ça, c'est la définition en compréhension, alors que la proposition, c'est la définition. Non, c'est le contraire. La classe, c'est la définition en extension, où on donne la liste des objets, en principe. Et les propositions, c'est la définition en compréhension, c'est-à-dire le prédicat, classe ou pré, classe, pardon,
proposition prédicat, c'est, suivant les auteurs, c'est plus ou moins synonyme, pas tout à fait, mais presque. Mais il commence par les classes. Donc, il alterne suivant les exposés. C'est... Alors, les classes. Alors, il dit bien, nous écrirons K, au lieu du mot classe, un ensemble quelconque d'objets. On ne peut pas faire plus général. Un ensemble quelconque d'objets. Et tout à l'heure, on a discuté sur la définition des fonctions. Est-ce qu'elles sont définies partout ou simplement sur un domaine? Bon. Mais là, il ne se pose pas la question. On viendra aux fonctions après. Un ensemble quelconque. On indique par des signes les classes qui ont quelque importance dans une science. Voici les signes adoptés jusqu'à présent dans le formulaire. Alors, une longue liste qui commence par N signifie entier, nombre entier positif, positif, c'est strictement positif. N, petit n, nombre entier positif, nul ou négatif. N0, nombre entier positif ou nul. Bon. Et il continue. Bon, j'ai déjà. Et la dernière notation, c'est NP, ce qui veut dire nombre premier. Nombre premier. Alors, il indique diverses notations, et il y en a une qui est intéressante, c'est la notation pour les intervalles de nombres réels. Ce n'est pas tout à fait celle que nous utilisons, mais elle est très proche. Il met A, un tiret, B, ce qui va de A à B, et au bout du tiret, il met deux barres pour dire que ça contient les bornes. S'il enlève une barre, ça veut dire qu'on enlève une barre. S'il enlève deux barres, c'est nous la notation avec des variantes, les deux crochets, le crochet ouvert, le crochet fermé, mais c'est exactement la même, à la typographie près. Et il insiste d'ailleurs sur le fait que la typographie, ce n'est pas ça l'important. Il faut se fier à une typographie, mais on peut la modifier. C'est ce qu'il dit dans la conclusion de ce texte. Alors ensuite, il dit... Alors, il introduit l'intervalle, il appelle θ l'intervalle unité 0,1. Je n'ai pas compris pourquoi θ, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, on peut regarder ces signes comme des abréviations des mots qu'ils représentent. Mais, ils ont une autre utilité plus grande que celle de l'abréviation, qui est d'être dépourvue de toute forme grammaticale. On revient au latiné sine flexione. On pourra donc les grouper selon les règles qui vont suivre, et ou les lire avec la forme grammaticale qu'exige la langue dans laquelle on traduit les formules symboliques. Ça ne peut pas être plus clair. Si le signe K est seul, il désigne simplement classe, mais s'il est écrit en avant d'une classe déterminée UN, il signifie classe des U. K, Q, ça veut dire les classes de Q, c'est les nombres réels, classe de nombres réels. Bon. Et il introduit aussi KK, les classes de classe, les classes de classe de classe. C'est une assez grosse originalité pour l'époque. Alors bon, ensuite, il donne des opérations. Mais alors, je note simplement ceci, mais ça a déjà été mentionné. On peut appliquer ces mêmes conventions, on peut appliquer ces conventions à la géométrie. Il faut pour cela avoir à notre disposition des opérations géométriques analogues à celles de l'algèbre. Or, Möbius, avec son calcul barycentrique, Bellavitis avec sa méthode des équipollants, c'est-à-dire des vecteurs. Grassmann dans sa Ausdehnunglehre, Hamilton dans ses quaternions, Saint-Venant, etc., ont créé une nouvelle branche des mathématiques qu'on peut appeler calcul géométrique. Il revient très très souvent là-dessus. Et il l'énonce comme partie de son programme. Faisons seulement usage de la théorie des vecteurs, qui est la partie élémentaire commune à tout calcul géométrique. Bon, et effectivement, il a insisté beaucoup sur le calcul vectoriel. À la même époque, il y a... qui est connu pour ses travaux sur la physique statistique, la loi de Gibbs. Bon. Or, Gibbs qui a systématisé les travaux de la physique statistique, mais il y a un livre extrêmement intéressant de Gibbs où, partant du calcul des quaternions, il dit qu'il veut le rendre plus géométrique. Bon. Et alors, dans un quaternion, il y a deux composantes. Il y a un nombre réel, qui est sa partie scalaire, et un vecteur.
Et alors, quand on prend le produit, la grande nouveauté d'Hamilton, c'est d'avoir défini un produit non commutatif sur les quaternions. Mais il le décompose, et nous avons gardé la terminologie, de produit scalaire et produit vectoriel de vecteurs. Quand j'ai deux vecteurs, je les considère comme des quaternions dont la partie réelle est nulle. Je fais le produit, il y a une partie scalaire qui est le produit scalaire et une partie vectorielle. Bon. Et c'est Gibbs qui, le premier, prend... Il y avait une vogue fantastique des quaternions, d'ailleurs, il cite les quaternions. Il les cite là, oui, c'est Hamilton dans ses quaternions, etc. Bon. Or, il y avait une mode... Enfin, Hamilton avait beaucoup, beaucoup fait de propagande pour ses quaternions et il prétendait réduire toute la mathématique aux quaternions. Alors, ce que remarque Gibbs, c'est que si on sépare dans le quaternion le vecteur et la partie scalaire, si on décompose des opérations et qu'on admette comme base le produit scalaire et le produit vectoriel de vecteurs, on a exactement le même bénéfice, mais que c'est spécial à la dimension 3, et d'ailleurs Clifford et d'autres essaieront de généraliser les quaternions à des dimensions supérieures, et ça reste encore un sujet d'actualité aujourd'hui. Et donc Gibbs réécrit les équations fondamentales de l'électromagnétisme selon Maxwell. Maxwell les écrivait avec des quaternions, pas par hasard. Et ce que vous trouvez aujourd'hui dans tous les manuels de physique niveau première ou deuxième année d'université, même lycée dans certains cas, c'est les lois de Maxwell écrites avec le produit scalaire et le produit vectoriel. Bon, alors l'étape d'après, ce sera de passer au calcul tensoriel de Grassmann, enfin grâce aux méthodes de Grassmann, aux tenseurs antisymétriques d'ordre 2 et d'avoir une formulation plus compacte. Mais donc, il indique bien que Gibbs est celui qui a popularisé cette notion et qui, bon, c'est vrai que il y avait une quaternionomania développée par Hamilton et que ça devenait presque une religion. Bon. Et il a dit, j'en extrais la partie utile, le calcul vectoriel, et aujourd'hui, bon, dans n'importe quel traité de physique élémentaire, on utilise ce formalisme, qui est parfaitement adéquat. Bon, alors ensuite, il introduit les relations et opérations sur les classes, et c'est là où interviennent, pour la première fois, les signes logiques qu'on a vus tout à l'heure. Les signes logiques, alors il en donne la liste complète. Il y a le epsilon. Epsilon, il dit, c'est l'initiale de esti en grec. Et. Bon. Et c'est, ensuite, il y a le signe de contenance ou d'inclusion et l'opposé. A entraîne B ou B entraîne A. Bon. Ou A reçoit B. Enfin, A vers B ou B vers A. Bon. Et il insiste beaucoup sur la nécessité de distinguer le signe d'appartenance et le signe d'inclusion. Et à l'époque, il y avait pas mal de confusion. Je crois que bon, j'ai pas fait une étude historique complète, mais c'est un progrès, en tout cas pour la logique, c'est un progrès important, et il insiste là-dessus. Alors le C, c'est l'initiale de contient, mais bon, il le retourne pour des raisons diverses, et le C renversé, c'est ce qui joue le rôle de, au contraire, est contenu dans, pour notre notation, ou bien implique au sens logique. Bon, une fois qu'on s'est habitué à ça, bon, etc. Bon. Il y a le signe égal. Et il y a le signe intersection et réunion, et il y a le signe négation, et il y a la classe vide et la classe universelle. La classe vide, c'est ça, donc l'absurdité. Et donc, il introduit ces signes qu'on peut prononcer et contient, etc. Et il dit que, bon, il y en a deux qui sont mentionnés par symétrie, mais n'ont qu'une utilité pratique, enfin, etc. Lui ne les emploie pas. La correspondance entre les signes et les mots n'est pas toujours exacte. Voici la valeur de ces signes. Soit A une classe, alors X, epsilon A représente la proposition singulière, X est un individu de la classe A, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On écrira blablabla, et c'est ça. On écrira par exemple X, Y, Z, virgule, appartiennent à A, tout X, Y, Z sont dans la classe A. Bon, il explique que les pièges, que les symboles qu'il emploie, reflète les mots du langage courant, mais pas totalement, et il indique les pièges. Et pour lui, la thèse, c'est que le langage courant a des ambiguïtés et que son langage symbolique les évite, ce qui est tout à fait vrai. Bon. Alors après, bon, je ne vais pas passer sur tout ça. Bon, il donne beaucoup d'exemples. Propriété des opérations de logique.
Alors ça, c'est tout le calcul logique, par exemple, les règles usuelles, les règles, la règle qu'il attribue à Jevons, A intersection A égale A, A union A égale A, les règles de Morgan, qui est pour comment on prend la négation, et un principe général de dualité qui repose sur les règles de Morgan. Et alors, c'est là où parle la théorie des nombres. Alors ensuite, il y a les propositions. Les propositions, c'est un chapitre extrêmement important de son livre. Et c'est là où il explique comment on fabrique des propositions à partir, en combinant des signes qui représentent des classes ou des propositions. C'est ça. Il a parlé des classes d'abord. Et c'est là où il fait la transition classe, qui était, comme j'ai dit, un ensemble défini en extension, défini au prédicat. Nous disons plutôt prédicat que proposition aujourd'hui. C'est le calcul des prédicats. C'est le calcul des prédicats. Bon, alors il explique comment, à partir de prédicats désignés par des lettres et les opérations logiques, on les combine dans des formules générales. Et effectivement, il refait le commentaire qui a été dit tout à l'heure. J'ai réduit toute la logique à un petit nombre de signes, de signification non ambiguë et qu'on manipule par un certain nombre de règles simples. Et son ambition, il explique bien l'ambition du calcul prédicatif, propositionnel, c'est de mettre en évidence les règles primitives, propositions primitives, c'est-à-dire celles qui ne démontrent pas, et il les réduit au minimum. Il s'arrange pour avoir vraiment un minimum. Bon, tous les exposés modernes de calcul propositionnel contiennent ça, bon, avec des variantes, et il exprime comment, à partir de quelques règles, on peut ça. Mais c'est déjà, il y a quelque chose qui reviendra plus loin, plus en détail, c'est le rôle de son formulario. Contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui, où la codification, la codification symbolique des propositions sert à faire qu'on a réduit toute la déduction logique, ça, après Hilbert, c'est le programme de déduction, la théorie de la démonstration, la démonstration logique peut se faire de manière entièrement mécanique et symbolique à partir de la représentation des prédicats ou des propositions sous forme symbolique en appliquant des règles de nature algébrique. Bon, et il dit bien que c'est ça le but, mais il dit bien que dans son formulario, ça n'entre pas. Le formulaire n'est pas un calcul démonstratif. Bon, de temps en temps, il y a, pourquoi est-ce que ceci est vrai? Allez voir, c'est une conséquence facile de ce qui est dit avant ou un chapitre ultérieur. Il y a des références et des autoréférences. Bon, il y a des références internes. Mais ce n'est pas à proprement parler des démonstrations formelles et symboliques. Donc, la démonstration formelle ou symbolique est hors du champ du formulario. C'est extrêmement important. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible, mais je veux dire, il faut attendre l'histoire un peu plus tard pour que ça vienne. Bon. Alors, proposition ou prédicat, il explique comment. Et il y a des remarques importantes sur le système de notation, parce qu'il dit, en algèbre, on emploie des parenthèses. A plus B entre parenthèses, multiplié par C, ou des choses comme ça. On emploie des parenthèses. Dans mon calcul logique, si j'employais que des parenthèses, ça deviendrait très vite monstrueux, parce qu'il y a des accumulations de parenthèses. Et pour le lire, ce serait compliqué. Alors, il indique divers systèmes de notation qui remplacent les parenthèses, et celui qui l'utilise, c'est un système de points. Bon, alors, l'avantage, c'est que ça prend moins de place sur la page imprimée. L'inconvénient, c'est que la distinction entre parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes disparaît. Mais elle est automatique, il n'y a pas d'ambiguïté. Il explique comment on peut déchiffrer, comment, quand on a des points qui représentent la fragmentation d'une longue formule en sous-formule et la recombinaison, il explique comment ça se fait, et il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il explique surtout, alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il explique un autre mode de représentation, où est-ce que c'est, qu'il appelle le vinculum, le mot latin vinculum, enfin lien, et vinculum, où est-ce que c'est, je ne sais plus. Bon, le vinculum, et c'est en fait l'ancêtre de la... Bon, alors vinculum, c'est à relier une partie d'une formule à une autre par un lien qui court au-dessus de la formule. Bon, c'est très peu employé aujourd'hui, sauf, curieusement,
dans l'exposé que Bourbaki donne de la logique formelle, et comme Bourbaki est embarrassé par d'écrire ce que c'est qu'une variable, une variable muette, enfin une variable libre, bon, elle a plusieurs noms, mais ça a la même signification, il est très embarrassé, et il introduit comme ça un signe. Bon, il y a son symbole de choix universel qui est le iota de Hilbert qui traduit par taux, bon, enfin ça n'a pas d'importance. Taux de x, taux c'est un symbole, taux de x ça veut dire celui des x qui, etc. Bon, celui des x, etc. Bon, alors on peut relier, bon, ça veut dire que x est vu comme une variable liée en notre sens. Alors on met taux devant, et puis derrière on met un certain, à chaque fois où il y aurait une occurrence d'un x, on fait un lien qui va au-dessus de ça. Bon, ça a l'énorme inconvénient logique que les formules logiques codées habituellement, ce sont des chaînes de caractères unidimensionnelles, que là, c'est une figure bidimensionnelle. Il y aurait tout un chapitre à écrire, j'ai déjà beaucoup réfléchi, sur ce que c'est que la notation algébrique bidimensionnelle. Et le calcul tensoriel étant un exemple typique, puisque dans le calcul tensoriel, vous avez un tenseur T, mu, nu. Mais il faut savoir si le mu est en bas ou en haut, le nu, enfin la notation, les conventions d'Einstein. On a parlé de Burali-Fortier ici, il n'y a pas très longtemps. Bon, des notations de Ricci. Bon, de Ricci, pas de Burali-Fortier. Donc, il y a ça. Mais c'est une représentation bidimensionnelle. Et le vinculum reviendra. Bon, il y a la notation de Penrose pour le calcul tensoriel, où on n'écrit pas explicitement les indices, mais des liens qui vont, etc. Donc, la forme la plus élaborée et la plus admise aujourd'hui, c'est une représentation par arbre. Et ça, cette représentation par arbre, elle est tout à fait proche du calcul de Frege. Frege a des formules bidimensionnelles. Comment il appelle ça en allemand, hein, le Begriff, c'est ça. Or, Frege a une notation bidimensionnelle. Lui, il hésite. Il le signale comme possibilité, mais il hésite. Et il s'en tient à la notation unidimensionnelle. Bon, on sait que pour la typographie, ça pose des problèmes, parce que écrire les indices et parfois des doubles indices, ça posait jusqu'à la découverte, enfin à l'invention géniale, pas la découverte, l'invention géniale de Knuth avec son système de composition mathématique. Bon, aujourd'hui, on fait n'importe quoi, je veux dire. On peut mettre 12 étages si on en a envie. On peut faire des diagrammes compliqués. Mais d'ailleurs, bon, l'usage contemporain des diagrammes dans les raisonnements mathématiques, c'est du Begriff shift. Bon. Et ça fait partie, bien souvent, ça fait partie intégrante du raisonnement. Bon, on dit que c'est une abréviation, une représentation figurativement. Non, ce n'est pas vrai, ça fait partie. Bon, Non, c'est que bon, il y a des textes où on a des diagrammes, bon, ils sont tous commutatifs, ben oui, le suivant aussi. Et puis, il y a un exemple célèbre d'un traité écrit par un élève de Grothendieck où tout repose, bon, il y a un diagramme commutatif de plus, bon, il y a peut-être une question de signe à mettre quelque part par là qui n'est pas tout à fait élucidée. Et en fait, quand on y regarde de près, je l'avais signalé dès le début, Toute la démonstration, tout le théorème est là-dedans, caché, codé, dans une formule bidimensionnelle. Et ça a pris pas mal de temps pour rétablir les choses. Bon. Donc, comme toujours, les calculs symboliques, ils peuvent vous entraîner trop loin. Bon, alors je passe. Alors ensuite, il y a un long chapitre sur les lettres variables. C'est ce que nous appelons les variables liées. Et c'est là où il introduit les quantificateurs. Mais malheureusement, là, il est en retard sur Frege, très en retard sur Frege, parce qu'il introduit en fait un seul quantificateur qui est le quantificateur d'application, le C renversé, avec un petit X en dessous. Ça veut dire que ce qui est à gauche, l'hypothèse, comme il le désigne, à droite, la thèse, contiennent la variable X, et que quand j'écris le X en dessous d'application, ça veut dire pour chaque X, ce qui est à gauche pour chaque qui dépend de x entraîne ce qui est à droite qui dépend de x. Bon, alors ensuite, bon, l'équivalence, c'est une simplification, c'est quelque chose qui va tout à fait avec eux, parce que l'équivalence, c'est simplement dire A entraîne B et B entraîne A. Bon, donc il écrit lui. Mais il n'a pas, mais ça a été signalé, il a introduit le signe de quantificateur existentiel plus tard, sous la forme où nous l'écrivons aujourd'hui. Mais
c'est pas visible, donc c'est pas visible. Bon, à cette époque-là, il ne le connaît pas. Et il est, c'est un des paragraphes les plus embarrassés dans, le, dans ce texte de Frege. Il dit bien... On dit bien que les règles de déduction sont très compliquées et que personne n'en a fait l'analyse vraiment. Bon, il donne quelques exemples, mais bon. Et c'est vrai que le calcul sur les quantificateurs, pour tout, il existe. N'importe quel ouvrage élémentaire aujourd'hui de description de la logique formelle, il ne le contrôle pas. Frege avait bien vu. Peano l'incorpora à son système plus tard. Bon, alors, il y a deux innovations, là encore, deux innovations. C'est le... Jusqu'à présent, il a parlé des classes et des opérations sur les classes. Intersection de classes, réunion de classes, complément, etc. Bon. Ensuite, il y a les propositions. Et comment fait-on le lien ? Comment fait-on le lien ? Comment passe-t-on du point de vue extensionnel au point de vue intentionnel ? Ben, si j'ai un prédicat, classe, un prédicat, classe, tout ça c'est la même préposition, prédicat, c'est ça, si j'ai un prédicat, bon, ben je dis X appartient à A, ça veut dire X satisfait à la propriété en question. Et donc, si j'ai un prédicat, j'ai automatiquement la collection, la classe, il ne dit pas ensemble, bon, il dit classe parce que c'est au niveau... Les ensembles, c'est réduit à la géométrie des espaces numériques à plusieurs dimensions, conformément à Cantor d'ailleurs. Bon, et alors, mais contrairement à Dedekind qui lui a tout de suite l'ambition de voir les classes comme les ensembles comme des classes. Bon, et alors, ce qu'il dit, c'est que ça, j'ai X appartient à A. Donc, il définit en extension l'ensemble, alors il a une notation spéciale pour l'ensemble des X qui A, ou qui appartiennent à la classe A pour lui, c'est synonyme. Que X satisfasse la propriété A ou que X appartienne à la classe A, c'est synonyme. Il ne fait pas la distinction. Mais il a bien pris soin d'expliquer le fonctionnement du signe epsilon. Qui est encore à cette époque-là le vrai epsilon grec, pas notre epsilon un peu déformé. Alors bon, ensuite, qu'est-ce qu'il écrit ? Bon, et il écrit donc les deux propriétés, les deux constructions inverses qui font passer d'une classe vue comme collection d'objets à une proposition, un prédicat. Il explique ça, comment on fait les allers-retours. Et par exemple, il y a quelque chose de typique. Il dit, voilà, si je vais écrire que A est contenu dans B, j'écris que pour tout X, X dans A appartient à A entraîne X appartient à B. Le pour tout X est caché dans la synapplication avec le petit X. Bon, donc il écrit... X epsilon A intersection B équivaut pour X A, bon, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, c'est ça. Oui, et il fait remarquer que le signe appartient à intersection d'un côté. Et le signe conjonction de l'autre, c'est le même. Et c'est très important, cette dualité qui est bien connue en logique entre le calcul des propositions, qui est un calcul logique, et le calcul des classes, qui est un calcul des classes, emploie les mêmes signes. Et il emploie systématiquement les mêmes signes. Bon, aujourd'hui, on y a renoncé. On emploie, pour le calcul des propositions, on emploie des signes qui sont proches, mais qui sont quand même distincts. On n'écrit pas égal pour deux classes, que la classe A égale à la classe B, on écrit un égal, que la propriété A équivaut à la propriété B, on écrit avec le signe que tout le monde connaît. Bon, aujourd'hui, on a pris soin de distinguer les deux. Mais pour lui, il est tellement bon. Pour lui, ça n'est que les deux faces de la même chose, et il emploie les mêmes symboles, ce qui peut conduire à des difficultés. Ah bon. Et alors, le chapitre important qui vient, c'est le chapitre fonction. Mais comme on a déjà, je veux dire, comme ça a été déjà discuté ici, je vais parvenir, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et pour lui, c'est une construction absolument fondamentale.
Et comme je l'ai dit, par exemple, la première, il dit, je vais définir d'autres fonctions, soit U une classe, une K, il dit, une K, soit U une K, num U signifie le nombre, numerus, des U. Bon. Et en conséquence, num U égale 0, ça veut dire que l'ensemble est vide, num U égale infini, ça veut dire qu'il y a une infinité d'objets, une distinction. Donc, bon, et ensuite, il discute, ça c'est très important, il discute la notion d'ensemble dérivé au sens de Cantor, qui est la base de la topologie selon Cantor, puisque un ensemble est fermé s'il contient son dérivé, la fermeture d'un ensemble, c'est la réunion d'ensemble et son dérivé, etc. C'est comme ça que Cantor formulait les règles de topologie. Et il le désigne DU. DU. Bon, ça, c'est une opération qui a une classe fait associer une autre classe. Donc, on est obligé, c'est clair, que il dit bien. D'ailleurs, il dit la classe dérivée, non pas l'ensemble dérivé. Enfin bon, donc, ça montre bien que là, on est déjà, dès qu'on veut faire de la topologie, bon, dès qu'on veut faire de la topologie, c'est-à-dire donner des fondements géométriques à l'analyse, c'est ça que ça veut dire, hein, la topologie donnée. À ce niveau-là, c'est la topologie dite ensembliste, qui donne des fondements géométriques à l'analyse, eh bien, on est obligé de raisonner des opérations portant sur les classes. Ce qui, à l'époque, est une très, très grande innovation. Enfin, je ne prétends pas que rien de tout ça ait été connu. Je dis qu'il résume son programme en faisant une synthèse de quantité de choses connues, mais c'est le point de départ de son formulario. Donc, il fait une codification de connaissances, des connaissances qui sont déjà largement acquises. Il y a des tas de nouveautés, mais il y a quand même beaucoup de connaissances. En garde sur la distinction entre epsilon appartenir et je vais pas apprendre tout ça. Et alors, il y a un chapitre important qui s'appelle les signes de fonction, avec une notation qui est originale à l'époque pour l'ensemble des fonctions ou des transformations qui vont d'un ensemble A vers un ensemble B. Il désigne ça par BF. Fonctions qui vont de A à droite vers B à gauche. F, c'est fonction, bien entendu. Bon, c'est la première fois qu'on voit qu'un ensemble de fonctions, enfin l'ensemble de toutes les fonctions, est une classe. Et c'est une classe ou un ensemble, enfin je veux dire, c'est une classe. On monte, autrement dit, on passe à la logique, non pas du premier ordre, mais l'ordre supérieur, selon ce qui est traditionnel aujourd'hui. Donc, il désigne l'espace fonctionnel. Et ça, c'est une... Et il travaille là-dessus. Bon, par exemple, il dit log appartient à petit q f grand q. Ça veut dire que c'est une fonction définie grand q, c'est les nombres positifs, réels positifs, strictement positifs, vers les nombres réels, etc. Bon, il introduit le calcul fonctionnel. Et là, c'est là où il y a une remarque, mais qui a déjà été mentionnée, sur la distinction. Qu'est-ce que ça veut dire que j'écris 2 tiers égale 4 sixièmes? Alors, il dit bien que une fraction, quand je dis le numérateur d'une fraction, je me réfère à l'écriture de la fraction. 2 est le dénominateur de 2 tiers. X est le membre gauche de X plus Y. Mais 2 tiers égale 4 sixièmes, ça veut pas dire que je peux définir le numérateur comme une fonction du symbole. Le numérateur de 2 tiers, c'est 2, le numérateur de 4 sixièmes, c'est 4, c'est pas la même chose. Et là, il y a toute une réflexion sur la définition par abstraction. Et ça, c'est un point important ça a déjà été mentionné d'ailleurs, bon, par abstraction. Donc, il introduit très explicitement ce qui est aujourd'hui une pratique tout à fait courante. Que signifie l'égalité? Bon, A égale A, ça veut dire que A est le même que A, ou A égale B, ça veut dire que ce que je désigne par le nom, la lettre A est la même chose que ce que je désigne par la lettre B. Mais quand il écrit 2 tiers égale 4 sixièmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je définis que j'ai 2 tiers, c'est tel que c'est écrit, c'est le couple de 2 et de 3. Il ne peut pas être égal au couple 4 et 6, puisque 2 est différent de 4. Bon, mais par contre, j'introduis ce que nous appelons une relation d'équivalence, et qui dit très, très explicitement comme tel, et ça me permet de faire un calcul par abstraction. La fraction 2 tiers, c'est un nombre rationnel qui est la classe de toutes les écritures qui sont égales d'après une certaine règle. 2 tiers, 4 sixièmes, 10
15e et tout ça. Bon, ce sont des écritures diverses, c'est-à-dire que je raisonne dans l'ensemble des couples de nombres, j'introduis une relation d'équivalent que je désigne par le signe égal. Il met en garde contre le signe égal. Bon. Et ça, c'est la définition par abstraction, ou comme on dit aujourd'hui, par passage au quotient. Signalons que le débat sur le passage au quotient est loin d'être terminé, et que les recherches les plus avancées aujourd'hui en logique catégorique là-dessus. Bon. Un des thèmes centraux des 20 dernières années en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais espace ? Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais espace ? Bon, pour les géomètres, j'ai un feuilletage d'une variété. Qu'est-ce que c'est que l'espace des feuilles ? Or, si on le définit bon, bêtement, c'est un espace horrible. Par exemple, si je prends un tore et que je prends les géodésiques parallèles à une géodésique particulière, bon, si on prend les définitions standards d'ensemble quotient, la topologie c'est quoi ? Les seuls ensembles ouverts c'est tout et rien. Les seules fonctions mesurables c'est les constantes. Ça ne donne pas beaucoup de renseignements. Bon, et en fait, depuis une trentaine d'années, c'est un thème, ça a commencé avec le travail de Grothendieck sur la poursuite des champs, et ça s'est beaucoup développé. C'est un thème extrêmement présent aujourd'hui et qui, en fait, répond aux mêmes questions que celles que se posait Frege. Donc, de ce côté-là, est très en avance, ou plutôt, les idées sont inépuisables, c'est surtout qu'il faut dire. Bon. Or, aujourd'hui, la recherche des ensembles quotients, c'est des mauvais espaces, il y a toute une théorie extrêmement développée qui est due à Wojewodzki, qui est due à beaucoup d'autres, et qui résonne sur ce thème-là. Bon, alors, je crois que le temps avance, il faut que j'abrège. Donc, bon, alors, je passe. Alors, ensuite, il apprenait des fonctions semblables. Des fonctions semblables, ça veut dire des fonctions bijectives, au sens où nous disons. Elles définissent une similitude entre l'ensemble de départ et l'arrivée. Alors, je passe encore rapidement sur les chapitres. Inversion des fonctions. Alors, c'est là où cette discussion auquel je viens de faire allusion est développée. Inversion des fonctions. Bon. Et c'est là aussi où il explique le passage, bon, inversion des fonctions, quand on est passé du langage des classes au langage des propositions, bon, en fait, on peut voir ça comme une opération inverse, de manière très précise. Pourvu que ces opérations, alors là, bon, lui, il est pas prudent du point de vue de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'hésite pas à parler d'une fonction définie sur la classe du tout. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a des depuis les paradoxes de Russell, et le bureau Aliforti, etc., on sait qu'il faut faire attention. L'ensemble de tous les ensembles, pour lui, la classe de toutes les classes, ça ne pose aucun problème. Bon, on sait qu'il faut faire attention. Mais ça reste un problème récurrent. La classe de toutes les classes, bon, en principe, on sait depuis Frege, que la classe de toutes les classes n'a pas de sens. Mais n'empêche que je vais dans un séminaire de géométrie, première phrase, je prends la catégorie de tous les functeurs de la catégorie d'ensemble dans la catégorie des groupes. Il y a trois non-sens dans cette première phrase, trois non-sens. Et pourtant, on progresse. Ça se traîne l'objet d'une autre réflexion. Est-ce que les mathématiques ne progressent ? Comment les mathématiques peuvent-elles progresser en transgressant les règles de la logique ? Et il y a toute une réflexion qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développé. Bon, j'y ai pas mal réfléchi, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est un sujet pour les philosophes qui vaudrait la peine d'être développé. Comment ? Alors bon, on va peut-être ramener ça à l'intuition mathématique pour ramener ça dans des vieux schémas, mais c'est pas suffisant. C'est pas l'intuition mathématique, c'est autre chose. C'est qu'il y a une cohérence. L'intuition ne me donne pas le fait que l'ensemble des entiers est plus petit qu'en cardinal que l'ensemble nombrel. C'est pas vrai, il n'y a pas d'intuition pour ça. C'est la pratique. L'intuition, bon, on peut en discuter très longtemps. Pour moi, quand je dis intuition, ça veut dire une longue pratique d'un domaine dont on a épuisé toutes les possibilités, dont on connaît les limites naturelles. Et les limites naturelles qu'on s'interdit de franchir. Et c'est toute une réflexion philosophique. Bon, ensuite, il y a un petit truc intéressant. Il distingue un objet de la classe constituée de ce seul objet, le singleton. Bon. Et alors, les dernières pages sont plus significatives pour le projet.
il y a réduction d'une théorie en symbole. Réduction d'une théorie en symbole. Bon. Avec toutes les règles qu'il a fixées. Bon. En fait, c'est un mode d'emploi pour les futurs auteurs. Il faut le voir aussi comme un mode d'emploi pour les futurs auteurs collaborateurs du formulario. C'est ce qu'ils doivent lire pour comprendre quelles sont les règles du jeu, quel est le projet éditorial, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, ensuite, alors là, il y a justement, on revient sur la définition par abstraction, c'est-à-dire c'est un chapitre sur la définition, on en a déjà parlé. Et je termine, on ne peut pas tout définir, bon, ce qui est une banalité bien sûr, mais qu'il est extrait, etc. Et les démonstrations. Et alors là, les démonstrations, c'est ce que j'ai déjà mentionné. Il dit bien explicitement que le but de son formulaire, ça n'est pas de décrire un système formel de déduction au sens que ça a pris après Frege, après Hilbert, et aujourd'hui encore dans les développements de la logique mathématique telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Donc, le rôle de son formulaire, c'est de donner, bon, il le dit bien, après avoir énoncé les propositions d'une branche des mathématiques et reconnu entre elles les définitions, il faut prouver la vérité des autres, et cela est d'une grande utilité la logique mathématique, etc., etc. Mais on ne le fera pas ici. On ne le fera pas ici. Et la conclusion, ben, on l'a déjà été cité, le problème proposé par Leibniz est donc résolu. Magnifique texte. On peut, ah voilà, j'ai ceci encore un tout, je finis là-dessus, on peut changer la forme des signes. Pourtant, qu'on a introduit au fur et à mesure, qu'on en a besoin. On peut en supprimer ou en ajouter d'autres, moyennant quelques conventions ou définitions. Mais nous sommes maintenant en cas d'exprimer toutes les propositions de mathématiques au moyen de peu de signes, ayant chacun une signification précise, assujettie à des règles bien déterminées. Magnifique comme programme. Un petit peu plus loin, ce qui nous importe, et le groupe des propositions qui énonce toutes les vérités contenues connues sur un sujet, réduites en symboles, elles tiennent probablement moins de place que la bibliographie, on a lu ça tout à l'heure, du sujet. L'intérêt historique sera conservé si chaque proposition est accompagnée du nom de l'auteur qui l'a énoncé. Tel est le projet de la riviste. Donc, merci pour... Commentaire de texte. Non, un commentaire très riche, très nuancé. Donc, je vous remercie au nom aussi des auditeurs. Et j'ai pris le professeur Lolli de nous rejoindre pour le débat. Italien, donc oui, je peux parler en italien. Oui. Je comprends pas tout, mais assez. Non, mais... Donc, la parole, c'est au public pour des additions, questions, remarques. J'ai abordé dans les conférences sont très nombreuses, donc oui. Il y a du matériel pour une discussion de journée. Bon, la discussion est ouverte. Paola Cantù. Parla italiano ou parla francese? Ah bon, je vais parler français maintenant. Alors, la première, c'est vraiment un petit remarque. Si je me souviens bien, mais je dois vérifier, les petits coups ou les grands coups, c'est pour quantitas. Je crois qu'il dit quelque part quantitas. Oui, c'est d'accord. J'avais oublié. Et là, la question, c'est si, à un certain moment, si vous avez temps, vous pouvez revenir sur la question du passage à caution. Parce que là, c'est une question, je crois, très importante pour la philosophie. Je me souviens d'un passage de Quine où il disait, peu importe la différence entre égalité relative et égalité absolue, parce qu'on peut toujours faire le passage à caution. Et au contraire, j'avais l'impression que dans l'école de Panot, on évaluait quand on peut le faire, pourquoi si, pourquoi non. Alors, cette remarque sur ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup pour comprendre si... On a des positions plus nuancées maintenant sur le rôle de ce passage à caution ou pas.
Selon la philosophie qui est générale dans, dans ce projet de PNO, et je viens de lire les dernières phrases, il dit que on a, le système n'est pas complètement verrouillé. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine liberté. Et qu'à plusieurs moments, on a le choix entre deux méthodes. Alors, il exprime, bon, il décrit très précisément la manière dont on crée des nouveaux objets par passage au quotient, c'est-à-dire comment on transforme une relation d'équivalence. Bon, la fraction 2 tiers égale 4 sixièmes est vraie parce que la règle de multiplication en croix est valable, donc 2 fois 6 égale 3 fois 4, il le dit. Bon, et donc il y a une relation, ça c'est une relation d'équivalence. Et après, on convient, il dit que l'usage, bon, il analyse en fait l'usage. Le mathématicien, les mathématiques, scribes, etc., 2 sur 3 égale 4 sur 6, alors que ce n'est pas vrai. 2 sur 3 n'est pas égal à 4 sur 6 si on interprète 2 sur 3 comme le chiffre 2, première position, chiffre 3 en deuxième position, 4 et 6, ce n'est pas vrai. Mais on a écrit une relation d'équivalence. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il dit bien que quand on a fait le choix d'une relation d'équivalence, on peut faire la convention qu'on va écrire, bon, on emploiera un symbole pour la classe d'équivalence, par exemple, on mettra la barre horizontale ou oblique pour désigner la fraction, ça distingue la fraction vue comme couple d'un numérateur et d'un dénominateur du nombre. Bon. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand j'écris égal entre ça, parce que j'ai un petit peu changé la désignation, je n'ai pas écrit 2,3 ou 2,3 en parenthèse égale 4,6, ce qui est faux, mais j'ai écrit 2 sur 3 égale 4 sur 6, le signe égal appliqué à ça, le signe égal appliqué à ça me dit que c'est vraiment l'équivalence telle que je l'ai définie. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de définition universelle de l'égalité. Ça, il le fait. Contrairement à ce qui est devenu plutôt l'usage en logique aujourd'hui, il y a un signe universel d'égalité. Bien que c'était vrai il y a 20 ans, et ça ne l'est plus aujourd'hui. Parce que les travaux de Wojewodzki, en particulier sa théorie des types, qui en fait est une résurrection de la théorie des types de Russell, et qui a été développée c'est vrai qu'on avait pris l'habitude de considérer que l'égalité était universelle et qu'il n'y en avait qu'une. Et donc, quand il faut, par exemple, si on veut se permettre d'écrire 2 tiers égale 4 sixièmes, il faut dire la seule égalité possible, c'est entre ensembles. Donc, le 2 tiers, il faut trouver un ensemble qui code la fraction 2 tiers. Et écrire que cet ensemble est égal à l'ensemble désigné par l'ensemble désigné par le symbole 2 sur 3 est égal à l'ensemble désigné par le symbole 4 sur 6. Et du coup, il n'y a que l'égalité, mais elle est cachée. Je veux dire, il n'y a qu'une universelle égalité. C'est le principe des ensembles. L'ensemble A est égal à l'ensemble B si tout élément de A est égal à tout élément est aussi un élément de B si tout élément de B est aussi un élément de A. Donc, puisqu'en principe, depuis Hilbert, le programme de Hilbert, on s'est entraîné à codifier tout objet mathématique par un ensemble, l'égalité n'a qu'une, il n'y a qu'une seule égalité. Deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Et donc, il faut, pour les constructions d'objets mathématiques plus ou moins compliqués, consiste à les coder dans la hiérarchie des ensembles. Alors, deux tiers, bon, la fraction, ça va être, bon, je ne sais plus ce qu'il faut. Enfin, ça ne fait rien. La définition universelle, c'est que quand on a une relation d'équivalence, on prend la classe, les classes d'équivalence comme nouveaux objets. Bon, à ce moment-là, c'est bien une égalité. On a remplacé la relation d'équivalence. Pourvu qu'on remplace un objet par la classe d'équivalence dans laquelle il est contenu, bon, c'est le procédé universel. Donc ça, l'usage courant en logique, pour les mathématiciens, c'est que quand on dit pour tout, c'est pour tout objet, n'importe où dans l'univers mathématique. Quand je dis il existe, c'est n'importe où.
Bon, c'est contraire à la théorie des types de Russell et à la pratique informatique. Quand vous introduisez une variable dans un programme X, vous dites immédiatement X nombre, X réel, X booléen, etc. Vous donnez immédiatement le type. Et le programme ne peut pas être exécuté si on ne donne pas le type. Si on dit c'est X n'importe où, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il y a des remarques analogues de Peano là-dessus. Je dis X, et X est une classe, ça ne veut pas dire grand-chose. X est un nombre, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je veux dire, bon, si on ne dit pas... Si on, autrement dit, les quantificateurs doivent porter, et c'est aussi la discussion sur est-ce que la fonction a un ensemble de définitions ou pas, c'est la même propriété. Or, à mon avis, une des faiblesses des systèmes logiques admis, c'est que aussi bien l'égalité que la quantification sont universelles, portant sur tous les objets mathématiques tels qu'ils puissent exister dans un monde idéal. Bon, on va te dire, bon. Or, c'est contraire absolument, et la théorie des types a été inventée par Russell pour éviter les paradoxes de l'ensemble de tous les ensembles. C'est pour ça. Et comme on y revient en permanence, comme on est confronté au même paradoxe sans arrêt, Martin Löf. Bon. Alors, comme on est confronté à ça, les nouveaux essais basés sur la résurrection de la théorie des types par Martin Löf, bon, elle est beaucoup plus élaborée que celle de Russell, bon, bien entendu, 100 ans après, bon, donc c'est normal. Mais on a réussi à en faire le fondement d'une nouvelle logique catégorique qui n'est encore pas complètement développée, mais qui essaye d'éviter les obstacles, bon, et qui revient au point de vue qu'un ensemble est défini en compréhension et non pas en extension, ce que j'exprime par ma fable habituelle des chats verts. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble des chats verts? Bon, alors, l'ensemble d'extension, c'est le suivant. Dans un pays mythique, le roi a fantaisie de rencontrer tous les chats verts de son royaume. Alors, suivant la légende, il envoie des messagers dans toutes les villes, dans tous les villages, que tous les chats verts viennent me voir. Bon, ensuite, il les ramène tous au palais du roi. À l'entrée du palais du roi, il y a un policier qui dit « Ah non, toi, t'es pas un chat vert, t'as pas le droit d'entrer. » Mais toi, t'es un chat vert, allez, entre. Et quand tous les chats verts sont dans une salle comme ça, le roi peut leur faire un discours du roi au chat vert. Bon, le point de vue de l'entomologue, c'est quoi? Au musée entomologique quelconque, disons le Jardin des Plantes à Paris, il y a un service qui s'appelle « Service des chats verts ». Bon, chaque fois qu'on envoie quelqu'un faire une recherche dans le monde entier, « Ah, il revient, patron, j'ai trouvé un chat vert. Ben, mets-le dans cette pièce-là, ou dans cette cage-là, enfin, etc. » Bon, la fable est évidente. Si on y réfléchit philosophiquement, la définition veut dire que l'ensemble des chats verts, ça veut dire qu'on a tous les chats verts présents devant soi, ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que Lebesgue avait déjà fait l'objection, dans les fameuses 5 lettres. Lebesgue a fait les objections, bon, on peut le renouveler aujourd'hui. Un objet que tous les algébristes considèrent avec délectation, c'est ce qu'on appelle le groupe de Galois absolu. On prend tous les nombres algébriques complexes et on prend le groupe des automorphismes. C'est très simple, en compréhension, une définition très simple. Il suffit de peu de mots pour décrire ça. Sauf que, en dehors de deux transformations qui sont évidentes, l'identité ou le passage à l'imaginaire conjugué, on ne sait pas en nommer un seul. Par l'axiome du choix, on peut, mais enfin bon, l'axiome du choix sous sa forme la plus primitive, choisir un élément, sous la forme où Lebesgue le comprenait, choisir un élément, dans, non pas simultanément dans une famille d'ensemble, mais dans un ensemble donné. Bon. Donc, je veux dire, parler d'un ensemble, je veux dire, dont on peut définir en... Le type est très facile à définir, mais dont on ne peut nommer aucun élément, à mon avis, ça ruine philosophiquement l'idée qu'un ensemble est défini par la collection de ses éléments. Il est défini par la qualité qu'il définit. Bon, on est français, on est italien, on est européen, etc. Bon, on ne prétend pas avoir devant soi tous les conditions. Non, c'est les conditions. On énumère les conditions légales ou logiques, enfin c'est plus légal et logique, c'est presque synonyme, bien sûr, selon lesquelles on est un citoyen de tel ou tel ensemble. Obligé à casser la discussion parce que pour donner l'espace aussi aux d'autres questions, bon. Remarques. J'ai trop répondu. Oui, je pense que la réponse était plus que ce que vous demandiez. Oui, elle a posé des autres. Donc, des autres remarques sur
Allez, Charles, tu vas pas rester muet. Professeur Allo. Moi, j'ai une question pour ce que tu as dit à la fin sur la progression des mathématiques comme transgression des règles. Ah oui. Est-ce que tu serais prêt à étendre analogiquement ça à l'idée de progression de la physique en transgressant les règles des mathématiques? Ah, oh. C'est un piège? Non, c'est pas un piège, mais c'est une question de philosophe. Est-ce qu'il y a un rapport analogique minimal entre cette question qui est importante du côté des mathématiques, mais on sait aussi que, et tu le sais pour les chemins de Feynman par exemple, que le physicien produit des concepts qui ne sont pas mathématiquement rigoureux, qui fonctionnent néanmoins, et qui, mathématiciens, sont très faibles, sont discutables, sont remis en question, mais pourtant fonctionnent. Ben, tu sais bien que j'ai écrit un gros livre, oui, sur les intégrales de Feynman. Exactement. Un gros livre avec ma collaboratrice, Cécile Levy, et où nous présentons ce que nous appelons une formalisation semi-axiomatique. C'est-à-dire que, sans donner, en ce sens, c'est là où est la transgression, sans donner de définition d'un certain objet mathématique, mon ambition initiale, c'était d'écrire le Bourbaki du sujet. Vite renoncer. Bon, alors nous avons une présentation que nous appelons semi-axiomatique, c'est-à-dire que sans définir les objets, parce qu'on a fait plein d'efforts bon, pour le définir, bien des gens ont essayé du côté mathématicien. Gelfand a essayé. Bon, Gelfand. Il a fait un essai assez fort. Schwarz avait aussi essayé. Bon, il a fallu reconnaître que tout ça ne marchait pas. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas pour l'instant, moi-même j'ai pas mal réfléchi à des définitions possibles, je donne des solutions partielles, mais ce qu'il y a, c'est que la manière semi-axiomatique, ça consiste à décrire des règles de calcul, des règles de raisonnement, ne sont pas fondés sur une définition des objets, nous ne sommes pas capables de le donner. Il y a des objets qui doivent vérifier ceci et cela que nous ne sommes pas capables d'adopter. Mais si vous adoptez nos règles de calcul, vous n'arriverez jamais à une contradiction. Alors, on n'a fait que codifier un certain nombre de raisonnements standards. De raisonnements heuristiques, on a pris une série de raisonnements heuristiques en littérature de la physique mathématique, à leur donner une valeur d'axiome, dirons-nous, et ensuite à montrer qu'un certain nombre de conséquences intéressantes fonctionnent uniquement à partir de ça. C'est le programme de Peano de réduire les objets mathématiques au nombre minimum possible. Les définitions des objets mathématiques, des concepts mathématiques, on va, par l'intermédiaire de la logique, la réduire en la plus petite liste possible qu'on ne peut pas définir. On ne peut pas tout définir, dit-il. Ça rentre dans le même point. Bon, alors, la transgression. Bon, alors là, si tu veux, l'intégrale fonctionnelle à la Feynman, elle est, on sait qu'elle n'est pas bien définie, mais on sait où elle fonctionne. Et les résultats qu'on obtient en la faisant fonctionner sont confirmés, soit par d'autres méthodes, soit par les résultats expérimentaux. On est certain qu'on est en terrain sûr. Alors ça, d'un autre côté, un certain nombre, si on prend le progrès de la physique mathématique depuis 30 ans, 40 ans, elle va dans le sens d'une rigorisation mathématique progressive. Bon, le grand projet de la théorie des cordes, sur lequel j'ai les mêmes réserves que toi,
Bon, le, mais il a fourni quand même, bon, il a fourni un cadre, une motivation à tout un ensemble de développements qui, eux, se sont développés de manière essentiellement. Donc, il n'y a pas eu de transgression là. Il y a eu une transgression dans l'objet initial, dans l'intention initiale, mais il n'y a pas de transgression directement là. On est, à mon avis, on est plus en sécurité dans ce domaine-là qu'on ne l'est dans la théorie du développement de la topologie, la géométrie algébrique, après les percées de Grothendieck et tout ce qui découle des programmes de Grothendieck, c'est-à-dire intensive des catégories, dont on connaît les limites logiques. Alors bon, Grothendieck lui-même a essayé de répondre à ça en s'appuyant sur ce qu'il appelle les univers, qui sont simplement, on sait aujourd'hui que c'est la même chose que l'existence de cardinaux inaccessibles, mais les logiciens nous mettent en garde contre les cardinaux inaccessibles. Bon, les cardinaux inaccessibles, on en est au point où on peut prouver qu'on ne peut pas prouver, qu'on peut prouver qu'on ne peut pas prouver, qu'ils sont consistants. Enfin, je veux dire, on est dans le... Bon, l'existence, plutôt la non-contradiction de l'existence de cardinaux inaccessibles avec le révélateur d'ensemble, contrairement à ce qui a été fait par Gödel pour l'axiome du choix, c'est non pas ouvert, c'est fermé. Avec les outils logiques dont nous disposons, nous ne pourrons pas le justifier. Bon, alors, et pourtant, c'est là qu'il y a une transgression extrêmement forte. Et la réponse de Wodzki et de ceux qui le suivent, et de s'appuyer sur la théorie Martin Löf pour débloquer. Quand je parle, bon, je n'ai pas le droit de parler de l'ensemble de tous les ensembles. J'ai certainement pas le droit de parler de la catégorie de toutes les catégories. Mais j'ai le droit de définir un type, ce que c'est qu'une catégorie, sans parler de l'ensemble de toutes les catégories. Bon, et je peux définir, je peux montrer que telle catégorie explicite qui mérite le droit de catégorie, elle fait partie de la catégorie des catégories, parce qu'elle satisfait certains critères. Donc il y a un enchaînement de concepts comme ça, une tour, le cas de cas de cas de piano, la classe de classe de classe, et bon, et là on est en sûreté. Mais, il y a un prix à payer, moi, je vais d'abord parce que ce n'est pas suffisamment développé. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites, mais ce n'est pas développé. Donc, je pense que, mais bon, alors pour la transgression, revenons à un point de vue plus historique. En 1750, 60, 50, 40, etc., Euler écrit dans les comptes rendus Commentari Petropolitana Academia Scientiarum, en latin, Saint-Pétersbourg ou Leningrad s'appelle Petropolis pour lui, mot grec évidemment, ni Petrograd, ni Saint-Pétersbourg, etc. Bon, et dans ça, il y a des centaines d'articles, la production de Euler était monstrueuse, des centaines d'articles dont j'ai lu une petite partie. Or, Euler sait bien que la définition des infinitésimaux telle qu'elle court à l'époque, il connaît les contre-arguments de Berkeley, il sait que c'est contradictoire logiquement. Il le sait. Il n'empêche qu'il l'utilise avec précaution et que les avancées en calcul infinitésimal qui ont été faites par Euler sont absolument prodigieuse. Bon, d'ailleurs, nous lui devons tellement, quand ce ne serait que la notation E, pi, i, etc. Bon, et la relation E puissance pi égale moins 1, c'est quelque chose. Bon. Donc, nous devons énormément Euler et il sait qu'il travaille en terrain miné. Il le sait. Et par exemple, certains ont dit Euler, on utilisait les séries divergentes sans précaution. Faux. Il y a tout un article de 1700. Que j'ai relu récemment dans les œuvres de l'air sur les séries convergentes et divergentes. Sa définition, il dit une série convergente numériquement. Et la définition est quasiment identique à la nôtre, quelques variations de vocabulaire près. Elle est correcte. Substantiellement, avec quelques petites précautions de langage supplémentaire, c'est la même que la nôtre. Mais il appelle ça convergente numériquement. Et comme il pratique le calcul numérique, et qu'il était un maître, et qu'avec une série telle que la somme des inverses des carrés qui converge incroyablement lentement, il arrive à calculer 6 décimales par divers arguments, il sait ce que c'est numériquement qu'une théorie. Mais il dit, il y a des séries convergentes en d'autres sens. Il les distingue bien. C'est-à-dire que la série, par exemple, 1 moins 1, moins, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, moins 1, bon, au sens numérique, elle diverge. Bon, elle oscille constamment entre 0 ou plus ou moins.
Mais si on la prend en moyenne de ses arômes, bon, il formule plutôt la moyenne de l'Abel que celle de ses arômes, enfin, on ne trouve pas dans les techniques, il sait qu'en sort de ses arômes ou d'Abel, ça a un sens précis. Ça a un sens, ça veut dire que au moyen d'une construction explicite et d'un procédé et d'un critère de convergence explicite de ce procédé-là, il trouve un nombre. Et il n'hésite pas à dire que 1 moins 1, 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, c'est un demi, bon, avec beaucoup de justification. Bon. Et il distingue très bien, et quand il utilise une série franchement divergente comme la série harmonique, 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., il connaît les règles, il l'écrit delta, grand delta, il le traite comme si c'était un nombre, alors qu'il sait que ça ne l'est pas. Mais il connaît suffisamment les mises en garde pour ne jamais commettre d'erreur. Il sait, par exemple, que dans une expression linéaire... Bon, une expression linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je tronque à 1 plus 1,5 plus 1 sur n, c'est des nombres finis, et ensuite je passe à la limite. Mais dans une égalité linéaire, la limite s'obtient facilement. Et il fait attention de jamais multiplier delta par delta, parce que là, bon, il y a des tas d'obstacles. Bon. Donc, je veux dire, or, Euler sait pertinemment... Il connaît les objections de Berkeley. Il sait pertinemment qu'il transgresse les règles mathématiques. Et tous ceux qui ont fait le calcul infinitésimal et qui ont bien réfléchi, que ce soit dans Lambert, que ce soit... Bon, ils savent qu'ils violent les règles de la logique proprement dite. N'empêche qu'ils iront de l'avant. Et alors, certains diront l'intuition. Bon, l'intuition les guide. Bon, l'intuition, une intuition tellement éduquée que je n'ose pas appeler ça une intuition. J'appelle ça une expérience fondée, sur une expérience très fondée, basée sur des exemples, des calculs, etc. Mais c'est les mises en garde, je dirais que ce n'est pas l'intuition, c'est les mises en garde. L'intuition, ça veut dire connaître les mises en garde et savoir. Bon, écoutez, en montagne, bon, j'ai été meilleur montagnard que je ne le suis aujourd'hui, bien entendu. Et je veux dire qu'en montagne, bon, j'étais il n'y a pas très longtemps au bord dans une région des Alpes, on faisait une promenade, on arrive au-dessus d'un pierrier. Bon, ben, je sais qu'un pierrier, il faut faire très attention, je veux dire. Je ne vais pas m'y précipiter, tête baissée. Et quand on est au bord d'une falaise, on n'avance pas trop près. Je ne suis pas sujet au vertige, mais un tout petit peu sujet au vertige, mais enfin, pas beaucoup, mais quand même, je sais que je ne vais pas m'approcher dangereusement de la falaise. Bon, et donc, nous, l'intuition, si on traduit l'intuition par bon sens éduqué, je suis là. Si on veut comprendre le débat sur l'intuition mathématique comme le bon sens bien éduqué, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une intuition au sens que Dieu, celui de Plato ou celui des diverses religions, mais révéler ça. Non, ce n'est pas une vérité révélée, c'est une expérience solide et approfondie. Alors là, je suis prêt à accepter l'intuition. Si on me dit que les mathématiciens travaillent avec l'intuition, et si on me dit, bon, je suis d'accord. Bon. Encore une fois, je dois vous, bon, merci, merci. Vous ramener à la conclusion parce que il s'agit d'une question vraiment très, très compliquée. Donc, si vous voulez intervenir sur le thème de la transgression au point de vue d'un logicien. Non? Ok. En la situation. Ok. Donc, des autres remarques, questions. Oh. Moi, j'ai une non. C'est seulement une petite curiosité pour Gabriel et Loli. Quand vous avez parlé de l'inversion, posso parlare italiano? quando si è parlato dell'inversione del segno ST. E quindi per dire E a X quibus A. La domanda è, nel caso, in quel caso specifico, viene più da un'esigenza tipografica o da un'esigenza, se si vuole, concettuale? Perché nel caso dello iota inverso c'è sicuramente l'idea di mettere in evidenza la funzione inversa. In quel caso sì o no? Oh, in quel caso in realtà poi non lo usa, quindi credo che fosse soltanto per segnalare quest'idea dell'inversione, anche tipograficamente. Credo che forse l'idea gli è venuta dalla relazione di minore e maggiore, in cui il segno è lo stesso girato, e quindi lui a un certo punto anche l'epsilon lo gira dall'altra parte. Poi in realtà lo usa tra parentesi quadre e così via.
Quindi non credo che fosse una questione tipografica, ma solo questa idea di sottolineare, poi appunto come il prodotto di due inversi si diventa uno, no? Cioè c'è nulla. Posso fare anche... Io se ne poi utilizzo, non l'utilizzo mai in pratica. Ça. De la même manière qu'il n'emploie pas le C, il n'emploie le C dans un sens qui est renversé, mais jamais dans le sens original. Sì, però forse l'epsilon inverso poi si perde un po', non si riconosce bene nella formula, mentre mettendolo tra parentesi quadre, poi con una X vicino anche, forse è più. Invece appunto per lo iota ha subito usato lo iota iota rovesciato e l'inverso e quelli si annullano. Anche una domanda, anche se non so se posso in qualità, ma perché è partito da Beppo Levi, dal giudizio. Allora mi chiedevo se poteva ritornare sulla visione di Beppo Levi, da parte di Beppo Levi, di piano grammatico, visto che ha dato luogo a anche delle polemiche fra Beppo Levi, Cassina, insomma, quelli che lei ha chiamato critici. Sì, ma il fatto è che no, i colleghi di Peano consideravano i suoi interessi linguistici come un segno di senilità. Oh. Sì. Lui no, perché lui aveva, Beppo Levi aveva anche lui una sensibilità linguistica notevole, forse il fatto che avesse studiato a Torino lo ha influenzato. Per esempio bisogna ricordare che Beppo Levi è stato... E praticamente ha anticipato o comunque indipendentemente ha inventato l'antinomia di Berry in un modo molto più preciso, perché l'ha fatta numericamente proprio. Quindi, e poi ha anche dato delle giustificazioni molto interessanti del metodo assiomatico in generale, parlando della impossibilità per noi di cogliere un'idea nella sua totalità per quanti segni possiamo accumulare, ma mai l'idea completa può essere colta, e di qui viene poi la possibilità per le teorie assiomatiche di avere tante interpretazioni. Insomma, quindi Beppo Levi aveva anche questa sensibilità linguistica, per cui quando chiaramente quella frase, anche ammesso che io l'abbia un po' forzata, quella frase non voleva essere andare a disdoro di Peano, ma era anzi forse un riconoscimento. No, io sono veramente fuori dai vostri studi, quindi sono un'osservatrice esterna. Mi stavo chiedendo qual è oggi, voi da storici e filosofi, gli epistemologi, li metto insieme così idealmente. Il valore del quale potrebbe essere il valore del formulario? Per nella cultura di un laureato in matematica, se questo ha senso, o deve essere considerato, come di fatto è considerato, un oggetto inutile, perché nell'accademia, almeno quella italiana, per quello che io ne so, poi voi mi potete contestare tranquillamente da esperte, insomma, è considerato un oggetto inutile, probabilmente sulla scia del fatto che appunto è un'opera senile. Ecco, un'opera senile. In realtà io oggi mi sono fatta un'idea completamente diversa, anzi ringrazio il professor Cartier pubblicamente, perché
mi ha portato questa sua rilettura, seppure a volo d'uccello, dei vari capitoli del formulario, mi ha fatto vedere invece una valenza importante, per esempio in un corso sui fondamenti, con tutti i limiti. Se vuoi all'Enriquez, quando Enriquez diceva, quando si fa un corso non bisogna fare solo gli aspetti teorici che si sono consolidati, ma anche tutti i rami laterali, sterili, che hanno comunque concorso a... Oggi un uso del formulario non saprei immaginarlo se non nel senso che certe conoscenze di base devono essere note. Se non sono note, bisogna che siano accessibili in modo facile. Probabilmente nella nostra epoca, appunto, ci sono altre forme, e quindi la forma dell'enciclopedia fatta in quel modo lì non ha più tanto senso. E poi comunque il fatto che richieda di imparare un linguaggio, sia pure facile da imparare, ma fino a un certo punto, poi per Peano era facile da imparare, che non ha il lessico, eccetera, però insomma lo vediamo dall'esperienza che nell'insegnamento della logica, che non è facile insegnare il linguaggio logico, anzi per nulla. E quindi questi sono tutti elementi che vanno un po' a sfavore, insomma, dell'idea di utilizzare qualcosa del genere. Bisogna trovare qualcosa di diverso, adeguato alla mentalità attuale, agli strumenti che sono disponibili. Je répondrai que, bon, en tant que tel, certainement, le formulario n'est pas utilisé concrètement dans l'enseignement. Bon, je pense qu'il conserve deux valeurs. Premièrement, qu'il a été, au cours de l'histoire récente du XXe siècle, il y a eu régulièrement des projets analogues avec des ambitions pédagogiques qui ont été réalisés. Bon, le formulario lui-même n'a pas été utilisé, aussi parce que les connaissances qu'il donne, se sont tellement répandues que n'importe quel étudiant de troisième année d'université en sait largement autant. Ça n'est plus la peine de montrer la cohérence logique de l'arithmétique, de l'algèbre, de l'analyse. Bon, on n'a plus besoin de formulario, mais c'est quand même lui qui a semé les choses. Bon, je pense qu'il a eu une influence. Il n'a plus d'influence pédagogique directe, mais il a une influence philosophique lointaine par toutes sortes de descendants. Et que il y a aussi tous les nouveaux instruments de connaissance, l'âge numérique qui bouleverse tout. Moi qui aime les encyclopédies, qu'il y en ait un certain nombre chez moi, je vois que sur un smartphone, on me répond en 30 secondes aux questions qui me prendraient au moins 10 minutes à trouver dans quelle encyclopédie j'ai trouvé ça. Donc je pense que l'idée du formulario n'est pas morte. L'idée du formulario, c'est-à-dire de faire un bilan des connaissances. Bon, alors, est-ce que le langage... Je veux dire, d'un autre côté, le langage formel, les parties les plus positives du langage formel sont tellement répandues aujourd'hui. Je veux dire, bon, n'importe quel étudiant sait ce que ça veut dire pour tout X, etc. Bon, on s'est habitué à formuler, bon, avec soin, les énoncés mathématiques de manière à être cohérent avec ce langage logique. Bon, et moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, on m'interdisait de faire un raisonnement par équivalence. A équivaut à B, B équivaut à C, non, c'était pas permis. Il fallait que je montre que A entraîne B, puis B entraîne C, donc A entraîne C, puis que je revienne dans l'autre sens. C'était des interdits absurdes, mais j'étais absolument interdit absurde. Bon. Donc aujourd'hui, la connaissance explicite ou pragmatique des règles de logique formulées dans le formulario, c'est du langage commun. N'oublions pas que
Bon, c'est un peu la même, le même. Mais je veux dire, les mathématiques progressent. Je mesure le progrès des mathématiques aussi, pas exclusivement, par le progrès, par la manière dont le grand public fait des mathématiques sans le savoir. Bon, le système décimal, inventé au codifié au XVIIe, au XVIe siècle, etc., fait partie du bagage commun aujourd'hui. Et on n'imagine même pas qu'on fait des mathématiques quand on l'utilise. Je veux dire, bon, je prends l'exemple typique des nombres négatifs. Le grand Carnot, dans son livre qui s'appelle « Métaphysique du calcul infinitésimal », a un long appendice pour expliquer qu'il ne faut pas utiliser les nombres négatifs en 1798. Bon. Alors qu'il utilise les infinitésimaux sans gêne. Bon. Il ne faut pas utiliser les nombres négatifs. Bon. Je me souviens que dans l'esprit de l'après-guerre, la libération, ce socialisme libertaire auquel j'adhérais beaucoup, bon, je veux dire, j'ai participé à un projet tout à fait dans le sens de Proudhon ou de Russell, d'une école pour le peuple, appelons ça simplifié, école pour le peuple. Enfin bon, je participe à beaucoup de projets pédagogiques, école pour le peuple, bon, ça résume bien ce que ça veut dire. Or, la leçon, j'avais 14 ans, je faisais le cours de mathématiques à des élèves de 18 ans qui avaient quitté l'école à 12 ans, mais qui voulaient quand même avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un brevet technique, c'est-à-dire un petit diplôme qui leur permet de devenir technicien dans l'industrie. Et je leur enseignais long. La leçon absolument difficile, c'était les nombres négatifs. J'ai eu vraiment du mal, vraiment beaucoup de mal. Et c'était en 47 ou 46, bon, beaucoup de mal. Or, aujourd'hui, bon, j'ai fait l'expérience quand ma petite fille avait 2 ans. Bon, un jour, j'étais perdu dans un parking. Mais elle me dit, tu n'as qu'à appuyer sur le -7. C'est-à-dire que pour ma petite fille à 2 ans, 3 ans, la notion des nombres comme de 0, ce qui est positif d'un côté, ce qui est négatif de l'autre, les températures négatives, les étages négatifs, etc., c'est du bagage commun. Et elle sait bien que quand elle me doit 2 euros, elle a moins 2 euros. Bon, donc, je veux dire, le progrès pour moi, le progrès, mais ça fait partie de la philosophie que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, le progrès des sciences, d'une manière générale, c'est leur vulgarisation n'est pas le bon terme. C'est que les gens deviennent familiers avec ça, que ça fasse partie de leur intuition, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure. Bon, donc, de ce point de vue-là, le projet de Peano n'est pas mort du tout. Mais bon, tel quel, bon, il n'a pas de descendance aujourd'hui, tel quel. Le répéter, bon, ou donner ça comme manuel, bon, je ne le ferai pas, c'est clair que ça n'aurait pas d'intérêt. Mais l'esprit qu'il a mis en route est toujours là. Il a été une étape du développement mathématique. Bon, il a peut-être, appelons ça une vulgarisation, mais enfin, je veux dire, tous ces systèmes logiques dont il cite Jevons, Boole, etc., bon, ben, il en a fait une synthèse qui a été largement adoptée. Bon, les notations qui sont dans le formulario, nous les avons largement adoptées. Il y a des variantes, bien sûr, mais bon, dans l'ensemble, elles ont été adoptées. Le plus net, c'est le N pour le N pour nombre. Bon, alors le Q pour quantité, c'est devenu le Q pour quotient. C'est pour ça qu'on a changé. Et R pour réel, bon, enfin bon. Si il existe des nombres réels et des nombres pas réels, ça, je ne veux pas en discuter. Autre... Oui. Oui. Non, pour aller dans le sens de ce que dit Pierre Cartier, je pense pour le formulaire, mais ce n'est pas que le formulaire. On peut prendre, je ne sais pas, le plan incliné de Galilée, la relativité, les complexes. Je pense que ce que tu dis, c'est simplement le principe de l'intuition comme construction. Oui. C'est-à-dire qu'on a, contrairement à ce qu'on a pensé, qu'il y a une intuition donnée, l'intuition aristotélicienne, etc., c'est complètement faux. L'intuition se construit dans l'histoire. Elle se construit à travers les théories. Et quand on voit ce que c'est que l'expérience de pensée du plan incliné chez Galilée, c'est pas du tout une intuition immédiate. C'est une vraie construction théorique. Et aujourd'hui, c'est complètement intégré dans le sens commun. Et le sens commun, c'est quoi? C'est un sens commun qui est devenu plus intelligent. Pourquoi? Parce que, justement, fait sens commun,
ce qui était à une certaine époque une rupture par rapport à une intuition antérieure, et on a une espèce d'échelle d'intuition de plus en plus complexe qui apparaît. Et c'est ce que tu disais sur cette question de l'intuition du sens commun. En fait, il n'y a que des constructions d'intuition qui sont généralement liées à la notion d'expérience de pensée. Donc la transgression, c'est de passer d'une intuition à la suivante. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est transgressif à un certain moment devient ensuite intégré dans l'intuition commune, intelligente et intelligible, mais n'est plus une transgression, mais est devenu un acquis, un bagage supplémentaire et un nouveau paradigme qui fait qu'on ne peut plus retourner en arrière. Je pense que c'est fondamental. C'est exactement... Ça s'est dit sur la mécanique quantique. Je me souviens très bien que Aspect avait fait une leçon inaugurale pour les conscrits de l'école normale supérieure, il y a quelques années, auxquelles j'avais assisté avec Châtelet. Et il a dit, moi, je fais de la mécanique quantique, c'est-à-dire quelque chose qui sera à jamais inintelligible, incompréhensible. Je me souviens très bien qu'avec Gilles, on a bondi en disant, qu'est-ce que ça veut dire ? En disant, Aspect disait... Parce que la théorie de Galilée, elle, est évidente. Pour nous, voilà. Et donc, la question, c'est de repenser que non, l'expérience de Galilée était loin d'être évidente. Non seulement tout ça n'était pas évident, ou même Bruno, rien n'était évident. Il y a des gens qui ont fini sur le bûcher à cause de ces pseudo-évidences pour nous aujourd'hui, et ce n'était pas le cas. Et donc, pour moi, la mécanique quantique, ça signifie construction d'une nouvelle intuition. C'est-à-dire que si on pense dans le monde quantique, on doit être en rupture avec le savoir immédiat, l'empirisme, etc. Et on a une nouvelle intuition qui est une intuition construite et qui fait qu'on conçoit les objets de la mécanique quantique pas comme les objets de la mécanique classique. Ce qui est la même chose avec la relativité. On ne peut pas penser de la même façon après être passé à travers la relativité d'Einstein on pouvait le penser avant. Et donc, ce qui fait que cet après est devenu notre présent, c'est ça, l'intuition construite. C'est dans ce sens-là que moi, je perçois ce que tu as dit. Et donc, pour le formulaire, c'est la même chose. Le formulaire a été le moyen d'amener une nouvelle intuition qui est devenue maintenant, effectivement, reconnue, admise par le sens commun, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Valeur, elle est là. Et puis si c'est Proudhon ou Russell qui a dit l'utopie d'aujourd'hui, c'est la banalité de demain. Donc, s'il y a des autres interventions, suggestions, remarques, je remercie encore une fois les interventions, le speaker. Ringrazio ancora i professori Lolli e Cartier per queste due conferenze magistrali e direi che ci rivediamo domani. Vi auguro una buona serata, un buon proseguimento nell'attesa della cena, giusto che è comunitaria, sociale.